C'est bon, on est en direct. Donc, bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue sur la chaîne Collectif Exmus. Alors, aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, Madame Florence Bergeau-Blaclair. Donc, merci d'avoir accepté déjà notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. De rien, c'est normal. Alors, je vous invite à vous présenter vous-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Donc, je vous en prie, dites-nous qui êtes-vous et dites-nous en quoi consistent vos recherches et votre thématique voilà, de recherche. Voilà. Alors, qui je suis? Je suis donc Florence Bergeau-Blaclair. Je suis anthropologue, docteur en anthropologie, habilitée à diriger des recherches. J'ai terminé mon doctorat en 1900 et soutenu mon doctorat en 1999, donc au siècle dernier, ce qui me donne une certaine expérience, disons, de la question sur laquelle je travaille, puisque c'était la première fois que j'ai rencontré les frères musulmans, c'était il y a 30 ans. Je suis donc chargée de recherche au CNRS, au groupe Société, Laïcité et Religion, qui est à l'école pratique des hautes études. C'est une grande école comme, qui est située sur le campus universitaire d'Aubervilliers, le campus Condorcet. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Je suis dans une situation un peu difficile depuis que j'ai donc publié ce livre qui s'appelle Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, publié chez Odile Jacob en janvier 2023, qui m'a valu je dirais pas des critiques, mais plutôt de violentes insultes et menaces qui ont conduit donc à ma protection policière voilà depuis quelques mois. Donc ça ne m'empêche pas de travailler, je dirais bien au contraire, la protection me permet de travailler, qu'elle soit fonctionnelle, c'est-à-dire celle du CNRS qui me permet d'engager des procès, je crois que j'en ai 5 en cours, contre des gens qui ont proféré des menaces ou des diffamations. Et ça ne m'empêche pas, au contraire, de travailler parce que je bénéficie d'une protection physique hein, contre d'éventuelles menaces. Voilà. C'est ce que je peux dire de moi pour le moment. Ok, merci beaucoup. C'est une très très bonne introduction, très punchy, on va dire. Alors, je ne sais pas ce qu'on en parle dès maintenant, mais on peut rebondir dessus brièvement puisque c'est d'actualité, c'est votre vie au quotidien. Donc, en quoi se constituent ces menaces d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on vous reproche exactement? Oui. Généralement, les menaces ne sont pas très. Les menaces de mort, bon, voilà. Quant au procès, aux diffamations, aux propos diffamatoires ou calomnieux, généralement, ils portent sur ma personne, me reprochant donc d'être islamophobe, raciste, complotiste, d'être donc comme Drummond, d'avoir. Fait Drummond, hein, Drummond, c'est cet antisémite historique hein, qui a inspiré Hitler. Enfin, vous voyez ce genre de propos qui ont été véhiculés par des gens à l'intérieur de l'université. Et d'ailleurs, la plupart des attaques que je reçois viennent de l'université, du CNRS, par des gens qui essaient de faire croire que mon travail n'est pas sérieux, qu'il est mu par des intentions uniquement politiques ou de déstabilisation ou de haine ou je ne sais pas quoi. Tout ça, évidemment, n'a aucun rapport avec ce que j'ai écrit. Chacun pourra voir en lisant le livre, en feuilletant le livre, que mes propos sont plutôt pas modérés, mais mesurés, que je n'ai rien à dénoncer, mais que j'ai tout à démontrer. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Donc il y a matière à critiquer mon livre, bien évidemment, et c'est la règle en science, comme en sciences sociales. Il est tout à fait normal que quand on a produit une démonstration et donc qu'on sait
qu'on a porté sur l'objet de recherche un certain regard. C'est tout à fait normal que d'autres aient un regard différent et le critiquent. Mais la règle en sciences sociales, c'est d'abord de comprendre le cadre que s'est donné l'auteur, puisqu'il est libre de choisir le cadre et sa façon et les outils qu'il va utiliser pour démontrer. Donc, la critique, ça commence d'abord par montrer qu'on a compris ce que voulait faire l'auteur, les outils qu'il avait utilisés, c'est-à-dire les références bibliographiques, les sources qu'il a utilisées. Et une fois que la personne qui critique a démontré qu'il avait bien compris l'intention de l'auteur, eh bien, il peut commencer sa critique. Donc ça n'a jamais été fait. Ce qui a été fait, c'est ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire prendre un livre, prendre deux, trois phrases par-ci, par-là, les décontextualiser et broder dessus toute une interprétation ridicule et là, en l'occurrence, calomnieuse. La première, ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs le déroulé de ces menaces ou intimidations. Elles ont commencé par la publication par un ex-frère musulman ou quelqu'un qui prétend être sorti de la confrérie, donc qui a écrit à mes collègues, aux professeurs, donc aux chercheurs de l'université, aux enseignants-chercheurs de l'université, que surtout, il ne fallait pas lire mon livre. Évidemment, il l'a fait derrière mon dos, je veux dire, je n'étais pas au courant de cette démarche-là. Il s'appelle Homero Maronju Peria, donc je le cite dans mon livre tout à fait correctement, je veux dire sans rien lui reprocher, je le cite parce qu'il a dit des choses qui étaient intéressantes dans le cadre de ma démonstration. Et il l'a très mal pris et au lieu de m'interpeller directement, de faire la critique de mon livre, il a préféré publier une lettre à mes collègues pour dire qu'il ne fallait pas prêter attention à ce que je disais, que tout ça n'était pas sérieux, etc., etc., etc. Et c'est par la suite quand donc ça a commencé un peu par là, et par la suite j'ai été invitée par Gilles Kepel, qui a fait la préface de mon livre, à communiquer, à donner une conférence à l'ENS, l'École Normale Supérieure, pardon. Et dès lors que Gilles Kepel donc, m'a invité, que c'est paru sur les réseaux sociaux, alors j'ai eu la deuxième vague, et cette deuxième vague, c'était celle menée par François Burga, un rival historique de Gilles Kepel, qui a profité de l'occasion pour écrire un texte aussi calomnieux, avec vraiment mais zéro argument valable, ou même intéressant. Suivi par un petit avocat dont j'ai même pas envie de nommer, et puis cet énergumène qui s'en était pris aussi en Belgique à Caroline Fourest à l'ULB au titre de Burka Blabla, que peut-être tout le monde connaît, mais que c'est pareil, j'ai pas envie de leur faire la moindre publicité. Voilà, donc ces gens-là ont utilisé Mediapart, la presse internationale aussi, leur réseau, en fait, hein, leur réseau frériste, parce que ce sont tous des gens proches de la frérosphère, pour essayer de me faire taire, ceux qui ne sont pas arrivés, bien au contraire. Ok, donc oui, il y a quand même une sorte de cabale, de traque, de coalition, même de certains ennemis idéologiques, en tout cas. Ils se sont eux-mêmes constitués comme des antagonistes envers votre travail et envers votre personne, qui plus est, parce que, comme vous l'avez dit, on peut être critique d'un travail universitaire. D'ailleurs, tout article scientifique, oui, doit être revu par les pairs, évidemment, dans une branche donnée, mais là, ça va bien plus loin que ce qu'exige la rigueur scientifique, évidemment. Voilà, par exemple, vous avez, là, je vois en ligne, vous avez mis invitation du docteur Alain Gabon. Alors, c'est un inconnu qui travaille, paraît-il, aux États-Unis, en tout cas, c'est ce qu'il dit, qui a commencé à reprendre tous les arguments de mes contempteurs pour me dire que ça n'allait pas du tout et qui m'a invité à venir débattre avec lui. Donc, tout en me traitant d'islamophobe. Et évidemment, la condition pour que je débatte avec quelqu'un, c'est un, qu'il travaille sur le sujet, ce qui n'est pas son cas, deux, qu'il ne me traite pas de raciste ni d'islamophobe.
Évidemment, si on commence par des discrédits et des insultes, ou voilà, en tout cas des tentatives de rabaissement, ce n'est pas un terrain propice pour un débat apaisé. Voilà, oui, bien sûr, et neutre et impartial. Mais d'ailleurs, que pensez-vous de cette injonction, voilà, ou plutôt de cette accusation d'islamophobie qu'on peut faire à certains chercheurs, journalistes, ou critiques, du clérisme ou de branches extrêmes ou radicales de l'islam? Qu'est-ce que vous en pensez de cette démarche de certains? L'islamophobie a été construite en problème public au milieu des années 90. C'est-à-dire qu'avant ça, on n'en parle pas vraiment, ou ça n'a pas vraiment une grande importance. Alors je sais qu'il y a certains qui disent, voilà, c'est un terme qui a été inventé au 19e siècle, d'autres qui disent que c'est l'Iran, etc. Bon, moi, ça m'intéresse pas, toutes ces... L'origine d'un mot n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est son usage. Tout Parce qu'il à y a fait. toujours plusieurs usages à un mot. Donc, la construction du problème public islamophobie, c'est la moitié des années 90, et notamment avec le rapport britannique du Runnymede Trust, qui est un espèce de think tank multiculturaliste, qui explique donc qu'il y aurait des pratiques, des comportements, des politiques d'État hein, qui seraient islamophobes. On est en plein, c'est un petit peu après la première guerre du Golfe, je me souviens très bien d'ailleurs quand ça arrive. Et au début, on ne prend pas vraiment ça au sérieux jusqu'à ce que petit à petit, les frères musulmans, les réseaux fréristes, hein, comme j'aurai l'occasion peut-être de décrire un petit peu mieux ce que c'est, s'emparent de cette belle idée qui était déjà un peu en germe dans les statuts de l'Organisation de la coopération islamique, qui est née dans les années fin des années 60, et ce machin wahhabite au départ, mais inspiré par les frères musulmans, qui contient donc un alinéa dans ces statuts qui explique qu'il faut lutter contre la haine à l'égard de l'islam, grosso modo. Je ne me souviens plus des termes employés, mais c'était voilà, lutter contre la critique de l'islam. On voit poindre, bien sûr, ce qui va se passer en 1992, c'est-à-dire la réinstauration ou la volonté de réinstaurer le délit ou le crime de blasphème. Cette idée d'islamophobie, en fait, elle va intéresser bien sûr les réseaux fréristes parce qu'elle a beaucoup, beaucoup d'avantages. D'abord, de faire des musulmans des êtres humains un peu particuliers, hein, c'est-à-dire on aurait sur Terre des musulmans et des non-musulmans. Déjà, cette dichotomie-là. Alors, bien sûr, il y a les gens du livre, mais au milieu, si vous voulez, les gens du livre sont plus vraiment chrétiens, sont plus vraiment juifs, c'est la modernité, ils sont un peu laïcs, enfin trop laïcs. Donc, finalement, ce qui compte, c'est être musulman ou ne pas être musulman. Donc, l'humanité se divise en deux. Mais au fur et à mesure que cette théorie de l'islamophobie va s'installer dans les esprits, très peu critiquée, alors que les chercheurs en sciences sociales ont démontré qu'on était incapable de savoir si une conduite était islamophobe ou si, vis-à-vis de quelqu'un, par exemple, est-ce que c'est parce qu'il est musulman qu'il est rejeté ou discriminé? Est-ce que c'est parce qu'il habite dans tel quartier? Est-ce que c'est parce qu'il est de telle origine? Est-ce que c'est parce que la personne qui discrimine anticipe qu'elle va avoir des problèmes parce que la personne se sent discriminée? Vous voyez, c'est très très compliqué de connaître les causes exactes d'une discrimination. Et de toute façon, il y en a toujours plusieurs. Quand quelqu'un est discriminé, c'est souvent pour plusieurs facteurs et non pas un seul facteur. Bref, on n'a pas vraiment de définition de ce qu'est l'islamophobie vis-à-vis des individus et on n'en a pas plus et certainement peut-être encore moins d'une définition de ce qu'est l'islamophobie d'État ou l'islamophobie structurelle. Voilà, c'est comme si les États se mettaient à avoir peur de l'islam, comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, de cette religion en particulier, c'est-à-dire sans raison, par des raisons endogènes à elles-mêmes, alors que les États sont fondés à avoir peur d'un islamisme, c'est-à-dire d'une
d'un islam conquérant et violent, c'est tout à fait normal qu'il s'en protège. Ici, ça serait juste une espèce de peur d'un État de l'islam en tant que religion. Donc, petit à petit, les réseaux fréristes vont essayer d'utiliser en fait ces théories de l'islamophobie et de l'islamophobie d'État qu'ils vont appeler haine anti-musulmans. Bon, enfin, ils vont essayer de le faire survivre à la critique hein, du terme islamophobie, parce que ça a, à mon avis, au moins quatre avantages. D'abord, ça rend les musulmans très vulnérables, puisque on leur enseigne, on martèle en fait dans leur esprit et même chez les petits, qu'ils sont des victimes, qu'ils sont de toute façon détestés, qu'ils ne s'intégreront jamais où ils sont. Donc déjà, on les fragilise, premièrement. Deuxièmement, bien sûr, ça on l'a dit, on fait taire toute critique de l'islam et de l'islamisme en imposant le contrôle du langage. En culpabilisant, en mettant en place en fait une défiance entre les musulmans et les non-musulmans. Troisièmement, on empêche, avec cette thèse de l'islamophobie et notamment de l'islamophobie d'État, on empêche l'assimilation de la religion islamique qui, étant importée des pays musulmans vers l'Europe, qui n'a pas de tradition islamique. Ancienne. Quand les musulmans passent d'un continent à l'autre, il n'y a plus, ils perdent aussi le patrimoine physique de l'islam. Donc nécessairement, l'islam va se colorer de la culture locale. C'est tout à fait normal. C'est vrai de toutes les religions, de toutes les de tous les patrimoines de l'humanité. Quand ils se déplacent dans l'espace, eh bien, ils s'accoutument, ils se colorent, ils se fragmentent. Et la lutte contre l'islamophobie supposée, ça empêche justement cette assimilation parce que ça interdit la fragmentation de l'islam en courant, en plusieurs courants. Parce que si vous dites, voilà, je suis musulman, mais je suis pas musulman comme toi, alors on te dit, oui, mais tu joues le jeu des islamophobes, tu nous divises. Hein, c'est la menace de la fitna, attention. Ce que veulent les réseaux fréristes, c'est que seule l'allégeance à l'oumma compte. Qu'il ne faut surtout pas se diviser pour ne pas voilà, faire le jeu des islamophobes. Voilà aussi à quoi sert l'accusation d'islamophobie. Et puis, dernière chose, à quoi sert l'accusation de l'islamophobie, c'est de plus en plus vrai, c'est à fabriquer des rapports. Alors, je ne sais pas, il y a le Conseil de l'Europe qui en fait, l'Union européenne en fait, la Turquie en fait, l'ONU fait des rapports, etc., sur l'islamophobie, sans jamais les définir correctement. Et qui donc, d'une part, dit, bon, mais il y a une islamophobie galopante, alors on ne sait pas vraiment pourquoi, parce que c'est pas, les critères qui sont pris en compte sont souvent, par exemple, on va vous dire, la lutte contre l'abaya à l'école, c'est l'islamophobie. Si vous arrivez en hijab pour être hôtesse de l'air et qu'on vous dit non, bah, c'est l'islamophobie. Vous voyez, donc, vous avez de plus en plus de faits qualifiés d'islamophobes. Et donc, une fois qu'on vous a expliqué combien l'islamophobie augmente dans le monde, dans tous les pays du monde, on vous explique aussi comment il va falloir rééduquer les non-musulmans pour que justement ils acceptent mieux et qu'ils soient moins islamophobes. Donc vous voyez très bien, rééduquer les masses dans tous les secteurs, dans les médias, dans l'éducation, l'université bien sûr, et partout où il peut y avoir soi-disant des discriminations islamophobes, on va proposer des solutions qui sont en fait des solutions d'acceptation de l'islamisme et de cette forme soft, intelligente, entre guillemets, du frérisme. Donc changer le regard sur l'islam, mettre en place des systèmes de surveillance des actes islamophobes, de sorte que finalement ce sont les non-musulmans qui se sentent finalement
ou les ex-musulmans, hein, qui se sentent Bien sûr. Pris en fait dans ce piège de d'absolument aimer l'islamisme, le frérisme, qui pourtant les détestent. Tout à fait. Je laisse Ruyen poursuivre et puis ensuite Horacio pourra intervenir pour poser ses questions. Je t'en prie, Ruyen. Vas-y. Oui, donc merci Régus. Moi, je voulais juste revenir sur un petit point que Florence a abordé. C'était la notion des critiques, notamment de son travail, effectivement. Je ne sais pas si les auditeurs ont pu suivre les échanges qui ont eu lieu, notamment sur Twitter. Et effectivement, les gens dans ce que Florence appelle le frérisme ont émis des critiques à propos de son livre, mais d'une manière non scientifique. Moi, j'ai une question un peu, mais juste pour suivre un peu le raisonnement, c'est le suivant, c'est que, effectivement, vous avez rappelé que les sciences sociales avaient une certaine méthode, une certaine méthodologie, un certain cadre, et que vous avez aussi rappelé que ça fait des années que, dans plusieurs disciplines, voilà, les chercheurs ont eu plusieurs conclusions dans différents domaines. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et le fait est qu'il y a certains fréristes qui, systématiquement, auprès des fidèles, vont dire oui, effectivement, un tel chercheur a émis telle critique, mais ce sont des islamophobes. De toute façon, il y a un double discours pour certains. Ce n'est pas un travail sérieux, ce n'est pas un travail. Il y a même certains qui disent que le travail par exemple, des islamologues, ce n'est pas un travail académique. Il y a certains prédicateurs qui se permettent de tels propos. Mais ce qu'avec Régulus, on n'arrive pas à comprendre, c'est comment et pourquoi les chercheurs n'ont pas établi un contre-discours sur le fait justement qu'il faille. Voilà, qu'il y a une méthodologie, etc. Parce que, par exemple, ce que les fréristes disent lorsque on critique l'islam, c'est que nous, on n'adopte pas une méthodologie, on n'est pas dans le cadre. Et ce qui est bizarre, c'est que les fréristes ont pas des doubles discours, ils ont des multiples discours. Et en fait, moi, j'arrive pas à comprendre comment les chercheurs ou comment les gens qui s'intéressent à l'islam ne dénonce pas justement ce double discours, mais à partir même du discours des frères musulmans. Ou par exemple, si on prend par exemple le cas de Tariq Ramadan, à chaque fois, c'est vrai, on l'accusait de double discours avec Régulus. Nous, on a été musulmans, on peut le dire, on a suivi les débats. Et en fait, on n'était pas convaincus ni de l'approche, ni des arguments en fait, des chercheurs. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, je pense, c'est que les fréristes ont un cadre, un logiciel, comme vous l'avez rappelé, ils ont des éléments de discours. Et ces éléments de discours, ils sont forts et puissants. Et lorsque on les écoute, dans la tradition islamique, il y a toujours comment dire, ce vouloir de suivre celui qui est le plus éloquent, celui qui a les meilleurs arguments, celui qui est voilà, le plus convaincant. Et effectivement, quand par exemple il y a eu les échanges entre Tariq Ramadan et Caroline Fourest, on sentait que par exemple Tariq Ramadan prenait l'ascendant et que Caroline Fourest avait du mal à répondre, malgré que le fait, voilà, par exemple, si on reprend les critiques qu'on a émises sur votre livre, effectivement, on n'a vu aucun frériste prendre, par exemple, votre ouvrage, critiquer la méthodologie, critiquer les prémices, voilà, émettre, comme vous l'avez rappelé aussi, comprendre quels étaient les objectifs de votre livre. Ça, les fréristes n'en parlent jamais. Et moi, justement, je n'arrive pas à comprendre comment en 30 ans, il n'y a pas eu, voilà, des gens qui ont réussi à contrer leur méthodologie, en fait, si vous voulez, dans le discours. Alors, bah, vous posez une excellente question à laquelle j'ai essayé de répondre dans mon livre en expliquant notamment que les sciences sociales n'avaient pas fait leur travail. Donc, je crois que j'y consacre deux ou trois chapitres. En expliquant que il y a d'une part une volonté frériste très, très ancienne, dès les années 70,
d'infiltrer les universités et les sciences sociales. Par exemple, l'Institut d'études en sciences humaines, l'IESH, s'appelle Institut d'études en sciences humaines. Il ne s'appelle pas Institut des sciences religieuses, par exemple. Hein. C'est le première institution de formation des cadres fréristes qui naît dans les années 90 aussi. Il y a une volonté d'aller au cœur des universités et de distribuer leur propagande en se servant notamment de la controverse Lewis Saïd, Edouard Saïd, Bernard Lewis, Edouard Saïd prenant le parti donc hostile aux orientalistes. Et Bernard Lewis défendant plutôt le parti des orientalistes et du texte. En gros, Edouard Saïd nous explique que les interprétations de l'islam faites par des non-musulmans, des orientalistes qui sont fascinés par l'objet, par le biais du texte, ne sont pas valables et qu'on devrait écouter les musulmans qui pratiquent, les musulmans de tous les jours. En tout cas, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce qui a été fait de cette controverse entre Lewis et Saïd. Donc, l'université va s'emparer, et avec l'aide des fréristes qui vont jouer le jeu, de la théorie d'Edouard Saïd en disant « les textes, ça suffit, c'est pas intéressant, ce qui est important, c'est ce que les musulmans en font, et c'est leur point de vue qui prime, jusqu'à ce qu'on ait… ce n'était pas inintéressant au départ, mais c'est devenu très vite excessif, de sorte que les anthropologues et les sociologues ont décidé qu'ils n'étaient pas compétents en fait, à parler de l'islam, puisque par culture, ils n'avaient pas été initiés à cette religion, et donc ils étaient en position d'extériorité. Et s'ils étaient en position d'extériorité par rapport à l'islam, ils ne pouvaient pas en comprendre la logique philosophique interne, comme un musulman le fait naturellement. Donc, ils se sont extériorisés et ils ont naturalisé l'islam, essentialisé, hein, comme on dit, l'islam. Tout ce que disaient les musulmans qui étaient interrogés par ces chercheurs valait plus que ce qu'eux pouvaient proposer comme analyse. Et ça, on n'en est pas encore sorti d'ailleurs, hein, ça fait 30 ans que ça s'est... ça s'est installé avec Talal Assad et toute cette école-là qui a installé l'idée qu'un chercheur occidental ne peut pas comprendre tout simplement les indigènes, si on peut dire, musulmans. À partir de là, la question que vous posez pour y répondre, ça veut dire qu'en fait, vous avez, enfin, pas vous, hein, mais un musulman a un cadre, un non-musulman a un autre cadre, et donc le non-musulman ne peut pas comprendre le cadre de l'autre, donc c'est pas la peine d'essayer. En gros, c'est ça. Et donc, quand vous dites, ben, finalement, on n'arrive pas, Caroline Fourest, par exemple, n'arrivait pas à saisir en fait le cadre dans lequel Tariq Ramadan parlait, et donc elle n'arrivait pas à le contredire, c'est effectivement le problème. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait avec ce livre, c'est justement essayer de comprendre dans quel cadre il pense, parce que j'estime qu'il y a un universel et qu'on peut comprendre, si on l'étudie, bien sûr, ça met beaucoup de temps, une culture en étant d'une autre, parce qu'il y a des universaux, la pensée est universelle, parce que les intérêts, beaucoup d'intérêts sont universels, il y a des choses, tout simplement parce que le langage peut être universel, même si nous n'avons pas les mêmes langues, même si nous n'avons pas les mêmes mots, il y a une communication humaine. Donc, ça a été remis en question par les frères et par les mouvements de gauche, de universitaires qui ont tout relativisé. C'est-à-dire, vous ne pouvez comprendre que votre langage, que votre petit groupe, etc. Et ça a donné aussi toute la fragmentation sociale, les LGBT, les musulmans, les noirs, voilà. Tout ça est du pur relativisme. Et on est encore malheureusement dans cette ère du relativisme qui existe bien sûr en sciences sociales, mais il y a aussi le fait
que quand quand dans les années 80-90, cette vision des sciences sociales très relativistes s'est instaurée. Elle a des chercheurs, des enseignants-chercheurs ont donc été recrutés à cette époque-là et eux-mêmes ont formé une génération qui est comme elle, c'est-à-dire relativiste. Et cette deuxième génération a formé une autre génération qui est comme elle, qui est relativiste et qui exclut de façon un peu comme le fait aujourd'hui la NUPES, qui exclut systématiquement tous ceux qui ont une vision plus universaliste au prétexte qu'elle serait d'extrême droite. On retrouve exactement le même problème dans l'espace politique. Tout à fait. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond, si ça répond à votre question. En tout cas, moi, j'ai essayé avec ce livre, justement, de dire que de ne pas prendre justement les termes arabes. Alors, une chose aussi qui avait empêché de comprendre l'islamisme, c'était de dire celui qui n'est pas arabisant ne peut pas comprendre l'islam et l'islamisme. Alors, quand on regarde la généalogie en fait des mouvements islamistes, ils sont comme l'islam, c'est-à-dire majoritaires en dehors du monde arabe. Par exemple, l'islam indien, indo-pakistanais ou sud-est asiatique du halal est très très puissant, très très influent. Et il n'est pas arabe d'origine, enfin en tout cas dans ses modalités culturelles Tout à fait, actuelles. ouais. Donc ça aussi, alors donc on parlait de taqiya, alors les arabisants se sont beaucoup amusés, ils ont importé comme ça des termes, taqiya, etc. Et moi dans ce livre, j'ai essayé de dire, mais non, c'est de la ruse, et on va retrouver chez Machiavel les éléments pour comprendre ce à quoi on a affaire. On n'a pas besoin, encore une fois, d'extérioriser, d'externaliser notre compréhension du problème. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre réponse. Elle a été très détaillée, très complète. On aime beaucoup ça. Horatio, je t'en prie. Vas-y. Merci Régulus. Alors bonsoir docteur Berger Blackler. Je me permets de vous dire docteur parce qu'en fait vous êtes en effet vous me dites hein, si je me trompe, mais sauf erreur de ma part et j'ai consulté votre site. Et je m'excuse pour le retard. Vous êtes docteur en anthropologie donc vous me corrigez si je me trompe. Alors juste je vais monopoliser un peu la parole parce que j'attendais ce moment avec impatience donc permettez-moi les formes. Alors sachez que dans un premier temps je suis particulièrement heureux et honoré d'avoir l'opportunité de parler avec vous. Alors à nouveau. Deuxièmement parce que vous m'avez dédicacé votre ouvrage et en quelques minutes de discussion et d'échange, en fait, j'ai compris que vous étiez bien au fait de la problématique et de la situation, et que vous aviez compris des années en avance, là où beaucoup se noient dans un océan d'ignorance, d'obscurantisme, de déni et de complaisance, toutes strates de compréhension confondues. Alors, j'ai une approche assez frontale et brutale, ceux qui me connaissent le reconnaissent. J'aimerais aussi vous réitérer mon soutien total et moral, en fait, et rajouter à l'influx d'énergie positive de la, entre guillemets, de la Fédération des Apostats, ma propre touche. Afin que vous sachiez que les auditeurs et les auditrices gardent à l'esprit que votre travail, pas simplement en référence à l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui, mais la complétude de votre contribution est salutaire pour toute la société civile. Enfin, j'invite à nouveau toute personne à se procurer vos ouvrages, pas simplement celui dont on va discuter aujourd'hui, mais aussi à parcourir ceux-ci. Ils sont vraiment, à mon sens, sans équivoque d'utilité publique. Alors, en parallèle, un petit billet d'humeur, je tiens à mentionner également que l'ensemble de vos sorties médiatiques, j'en ai suivi quelques-unes sur la parution de votre livre, ont provoqué l'effet stressant, certainement imprévu sur les musulmans. Alors, malheureusement, qui s'est suivi des menaces dont qu'on connaît, et qui a quand même mis en lumière par la même occasion la lâcheté, le mutisme. De mon observation, probablement calculée des institutions. Alors, pourtant, suffisamment arrogante pour avoir des opinions sur des sujets que j'ai considérés comme non clivants et confortables à traiter, mais beaucoup plus tacite sur les problématiques qui embrasent la société civile actuellement. Alors, je dirais, honte aux lâches de l'État profond qui observe et attend d'être au pied du mur pour réagir et qui joue la montre comme de la tectonique diplomatico-sociale, car ça marche pas, et de plus en plus de personnes sur les territoires ouvrent les yeux dessus. Et pour ça, je vous réitère mon total soutien à vous, docteur. Alors, j'ai quelques questions que je vais arborer de commentaires. Moi, donc, j'ai lu votre livre. J'ai trouvé, au niveau des points positifs, c'est un très bon livre pour les néophytes. C'est très, très didactique. Donc là-dessus, voilà, il n'y a pas d'équivoque. La structure, elle est très intéressante. Les mécanismes sont clairs. Certaines informations sont d'un niveau que j'ai trouvé avancé. Ça permet d'aller plus loin que le tronc commun sur le sujet. Si je peux me permettre, hein, à mon modeste niveau, bien sûr, à hein, quelques axes d'amélioration et des critiques, j'ai trouvé des redondances dans certains thèmes et des terminologies. Ça aurait pu, sur certains axes, être approfondi. Et bon, après, j'ai quand même quelques propositions qui sont assez, on va dire,
intransigeante sur comment combattre le frérisme. Après, j'ai trouvé la partie, il y avait une partie en fait qui était courte un peu pour combattre le frérisme. Je crois que ça faisait 3 pages. Et la conclusion, je l'ai trouvée un peu rapide. Sinon, j'avais quelques questions. Je vais les reposter sur le chat pour que faire si, enfin, vous n'avez pas le temps de répondre. J'imagine que vous avez une chaîne YouTube ou une chaîne Twitter. Je pense que oui. Je pense que ça, enfin, en termes de visibilité, mais j'imagine qu'avec vos travaux et votre site internet, enfin, vous devez être suffisamment visible à l'international. Est-ce que vous comptez faire traduire vos ouvrages, en particulier celui-ci, dans d'autres langues que le français? Est-ce que vous organisez, alors je pense que oui quand même, parce que j'ai parcouru rapidement votre site web, est-ce que vous organisez des conférences à l'international sur des plateformes et avec des centres intellectuels exposés où ça va permettre d'augmenter votre visibilité, en fait, en particulier sur votre travail? J'imagine que vous travaillez avec d'autres chercheurs étrangers donc sur cette question, notamment les anglo-saxons, et si oui, lesquels? Moi, j'avais pensé à une grille analytique parce qu'en fait, souvent, quand on parle des frères musulmans, ils ont un espèce de on va dire, entre guillemets, j'aime pas les anglicismes, mais le body language, et ils ont une posture et même un style dialectique, en fait, qui leur est propre pour essayer d'avoir on va dire, une stratégie un peu protéiforme dans la société. Donc, si on pouvait disposer d'un certain nombre d'indicateurs qui permettaient de plus ou moins les identifier, alors bon, il y aura certainement des trous dans la raquette, mais j'ai une vague idée comme, oui, le style de l'islam affirmé, comme vous le mentionnez assez régulièrement dans vos sorties médiatiques, comme l'islam al-wasat, voilà, si vous avez une idée. Et ensuite, alors j'ai vu quelque chose qui m'a particulièrement interpellé dans votre ouvrage. À la page, alors je vais être assez précis là, 228-229 de votre ouvrage, vous indiquez, pour résumer, ce que l'on nomme salafisme rassemble plusieurs formes d'orthopraxie piétiste non politique au sens partisan, comme le wahhabisme des pays du Golfe, le malikisme soufi marocain ou la Jamaat al-Tablir d'origine pakistanaise. En fait, sur cet aspect-là, alors c'est pour ça là je suis très chirurgical, est-ce que vous pourriez préciser l'analogie entre le salafisme et le malikisme soufi marocain dans ce contexte, dans le contexte de votre explication? Et sinon, alors moi, c'est quelque chose que je fais souvent, si vous pouviez nous recommander quelques ouvrages, et en particulier des auteurs, bon, je ne cite pas en fait ceux de votre bibliothèque, en fait, par exemple le halal, j'ai oublié la suite du titre, une invention d'État. Et j'aurais eu besoin d'une explication à la page 339, alors je suis précis, hein. Ligne 17, vous mentionnez l'expression concordat avec l'islam de la part de l'État français. Qu'est-ce que vous sous-entendez en fait par concordat dans le contexte de votre livre? Et alors, est-ce que c'est une comparaison vraiment avec le régime spécial de l'Alsace-Lorraine? Et y a-t-il pas un risque que ça ouvre la porte en fait aux fréristes, étant donné qu'ils ont une propension, ça, je pense que la plupart des chercheurs là-dessus sont assez unanimes, à retourner en fait contre eux, ceux ou celles qui pensent les instrumentaliser? Bon, après, j'avais des propositions pour compléter celles de votre livre, mais elles sont vraiment brutes de décoffrage, donc je vais m'arrêter là. Wow, merci beaucoup, Horacio. Je ne sais pas si Florence pourra répondre à toutes les questions, mais je vous en prie, Florence, allez-y, faites comme vous pouvez. Merci beaucoup, Horacio. Merci vraiment pour ce que vous avez dit au début, qui me touche beaucoup, et puis pour vos nombreuses questions auxquelles j'espère pouvoir répondre un tout petit peu, mais peut-être pas à la mesure que vous souhaiteriez. Disons que... alors. Pour ce qui est de ma visibilité dans le monde international, la traduction, on m'a demandé des traductions en anglais, en indien, en Inde surtout, en suédois, en danois, en allemand et en néerlandais. Mon éditeur n'est pas très très réactif, mais j'espère que ça va aller mieux. Je pense qu'il est très occupé en ce moment, mais voilà, ça veut dire qu'il faut que je trouve aussi des maisons d'édition. J'ai quand même des budgets pour faire la traduction, donc voilà, tout ça est... Alors, il faut pas croire, moi je suis chercheur au CNRS, j'ai des contacts avec des collègues, surtout d'ailleurs à l'étranger, qui travaillent sur les mêmes problématiques que moi, mais sachez quand même que quand on est chercheur au CNRS, on est très très seul. On a un salaire de prof de collège et on se débrouille un petit peu avec des bouts de ficelle pour faire nos enquêtes. Et il va de soi que moi, je n'ai pas beaucoup d'argent pour faire mes recherches. À part mon salaire, je n'ai rien en réalité. Donc je dois me débrouiller pour me faire inviter et la communication ça passe à la trappe, c'est-à-dire que tout ce que vous me proposez et qui serait très utile, je peux pas le faire,
je n'ai pas les moyens aujourd'hui, je ne suis pas aidée, je n'appartiens pas à un parti, pas à un groupe, ni rien, donc je suis un petit peu seule et parfois je compte sur les médias pour diffuser un petit peu le travail que je fais, mais si je ne suis pas très bien réveillée le matin ou si je ne suis pas performante sur les médias, ça peut avoir des conséquences aussi très négatives sur ce que je dis et sur ce que j'explique. Donc voilà, pour moi c'est très délicat cette période. Et c'est vrai que si j'avais plus de moyens et de contacts pour améliorer un peu mon image, comme on dit, et que mon discours passe mieux, parce que je me fiche un peu de mon image, c'est mon discours qui m'intéresse de diffuser, ce serait super. Les autres chercheurs à l'étranger que je connais, là, il y a un nom qui me vient en tête, parce que c'est intéressant, ce qu'il a fait, c'est... comment il s'appelle, il vient en tête, mais pas vraiment, attendez. Voilà, Sameh Egyptson, qui est un chercheur égyptien, je pense que ce n'est pas son vrai nom, qui travaille donc dans une université suédoise et qui vient de publier une thèse sur les réseaux des frères musulmans. Et cette fois-ci, en s'intéressant à ce que moi, je n'étais pas en mesure de faire, c'est-à-dire aux réseaux physiques, c'est-à-dire aux associations, aux institutions. Moi, j'étais pas en mesure, c'est pas vrai d'ailleurs, j'étais en mesure de le faire, mais je n'ai pas choisi d'étudier ça parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est l'histoire des idées, c'est ce qu'ils ont dans la tête, c'est comment ils pensent. C'est ça qui m'intéresse. Alors, bien sûr, je fais référence à des institutions, mais c'est surtout à l'histoire des idées. Donc, cette thèse-là, on peut faire une translation, une traduction Google. Ou DeepL de cette thèse qui est publiée en suédois et qui est vraiment très intéressante. Par ailleurs, il y a bien sûr les travaux de Lorenzo Vidino, très attaqué aussi comme par hasard au moment où moi je le suis aussi. Il y a les travaux de Policy Exchange à Londres. Policy Exchange est une institution privée en fait qui travaille sur ces problématiques-là. Qui publie assez peu alors qu'elle aurait les moyens de ses collègues qui sont parfois un peu en difficulté, mais qui fait des travaux très très intéressants. Je travaille aussi avec Tommaso Virgili qui a publié un très intéressant rapport qui s'appelle The Muslim Brotherhood in Europe. Qui est publié par un groupe politique de la Commission européenne, de l'Union européenne, pardon, ECR Group, qui a été publié en octobre 2021. Voilà, il y a un certain nombre de chercheurs que je voudrais d'ailleurs réunir lors d'une conférence internationale. Je suis en train de la monter. J'espère avoir les financements pour ça. Vous imaginez bien que ce n'est pas facile puisque à l'université au CNRS, on ne m'aide pas. On me pose plutôt en ce moment, c'est plutôt des entraves, alors que d'ailleurs dans mon livre, je remercie le CNRS de me laisser toute liberté de recherche, même si je ne suis pas financée, au moins on ne m'entrave absolument pas dans ma réflexion, bien au contraire, c'est un milieu où on peut penser librement, mais quand on ne veut pas que vous développiez une théorie, effectivement, on ne vous facilite pas les choses, on vous empêche d'avoir des financements de recherche, de monter des équipes, de monter en grade, ce qui donne évidemment des avantages en termes de financiers et de légitimité. Bon, moi, je suis un petit peu laissée pour compte pour le moment. Revenons donc aux frères, au body language, comment les identifier. Évidemment, moi, ça fait 30 ans que je les côtoie, donc c'est presque un peu intuitif. J'aurais du mal à dire pourquoi j'ai l'impression, je ressens une personne proche des frères musulmans, comme on dit, que moi j'appelle frériste ou même frère musulman. Je pense même que j'arrive à décoder maintenant l'individu qui appartient à la confrérie et l'autre qui en porte les valises, si vous voulez, ou d'autres qui sont proches d'eux, mais qui ne savent pas qu'ils les servent. Donc, j'arrive, mais ça m'est très, très difficile encore aujourd'hui d'en parler, parce que c'est pas scientifique, parce que je peux pas le prouver. Je sais simplement que
si je le vois, que je cherche quelque chose autour de cette personne, je vais effectivement confirmer, la plupart du temps, ça m'arrive de me tromper, bien évidemment, comme tout le monde, je vais confirmer mes intuitions. Mais évidemment, je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas de preuves. Tout ce que j'ai écrit dans ce livre, c'est toujours référencé, sourcé, soit de mes sources directes, soit de sources secondaires, mais je ne m'aventure pas à décrire des choses sur lesquelles je suis pas sûre. Il faudrait pour ça que je me transforme en romancière, ce qui n'est pas encore, le moment. Et puis, les questions que vous posez, en fait, elles posent aussi la question de à qui je m'adresse. Et dans ce livre-là, j'ai voulu m'adresser à tous ceux qui sont pas hors l'islam, mais qui ont une vision laïque en fait, qui tout en étant musulman ou en n'étant pas musulman, qui sont quand même prêts à avoir une vision laïque de la religion. Je pense que pour un fondamentaliste, quel qu'il soit d'ailleurs, j'ai aussi des fondamentalistes chrétiens qui n'ont pas aimé ce livre parce que justement ils se sentent assez proches des frères. J'imagine bien que pour un fondamentaliste, comme il a un autre cadre de référence, mon livre ne vaut pas grand-chose. C'est son rapport à la science hein, qui est en jeu là, c'est son rapport conflictuel entre la science et le fondement littéraliste, dogmatique d'une religion intégriste. Mais je n'y peux rien. Sur les solutions, évidemment, j'en aurai beaucoup plus que ce que j'ai écrit, parce que je pense qu'il y a des solutions qui ne peuvent pas s'écrire aujourd'hui, tout simplement parce que ce sont des solutions radicales qui sont pas nécessaires aujourd'hui, mais qui pourraient le devenir. On voit bien que si les choses continuent comme ça, on va arriver vers un conflit. Et donc, parmi les solutions, quand on est face à un conflit, c'est de se défendre. Et ça, j'en parle évidemment pas, parce qu'on n'est pas encore là. Je pense en revanche qu'il est temps de réouvrir la question du concordat, ou en tout cas d'une formule qui permettrait de choisir les interlocuteurs musulmans de l'État au grand jour et sous le contrôle de la nation, des citoyens français. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, nous sommes en régime laïque de séparation des églises et de l'État, et nous avons un bureau des cultes qui est une branche du ministère de l'Intérieur qui s'occupe en fait des relations avec les cultes. Et le bureau des cultes, depuis plusieurs années, même les frères le disent, hein, je ne suis pas toute seule à le dire, a tendance quand même à regarder un petit peu trop. Et à faire un peu son marché au niveau des différentes instances islamiques, de sorte qu'on n'est plus vraiment en laïcité, on est dans une forme de concordat qui ne dit pas son nom, et donc qui n'est pas contrôlé par la démocratie. Et donc, si on veut faire du concordat, parce qu'effectivement, on ne peut pas laisser, par exemple, les frères musulmans prendre la totalité du contrôle du culte musulman, on ne peut pas... on ne peut pas laisser ça comme ça, alors il faut faire un concordat, mais l'assumer complètement. C'est-à-dire, pour pouvoir choisir ceux à qui on veut parler, c'est-à-dire ceux qui représentent le culte musulman et qui ont une vision compatible avec notre république démocratique, c'est-à-dire qui considèrent que la loi de Dieu ne s'applique pas sur la loi républicaine. Alors, je sais qu'on va me dire que tous les religieux aimeraient que la loi de Dieu pense que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes, etc. Sauf que là, dans cette religion-là, et en tout cas parmi les fondamentalistes, donc qui incluent les wahhabites et les frères, par exemple, et les autres, hein, que j'ai de Tablir et les piétistes, eux, ils ont une conception de la religion qui est une conception légaliste, c'est-à-dire avec une loi et avec des normes qui rentrent en conflit avec les normes républicaines, démocratiques.
Et donc, ça, ben, on ne peut pas l'accepter. Parce que tout simplement, on est dans un régime qui prévoit la pluralité des religions. Et donc, accepter une religion dominante, hégémonique et suprémaciste qui impose aux autres une dimitude, c'est-à-dire une définition de leur religion qui est la leur, mais pas celle que de l'autodétermination, évidemment, c'est pas possible. Et à un moment donné, il faudra bien que l'État réaffirme ses droits de limiter l'espace religieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour illustrer ça un petit peu mieux, à un moment donné, je crois que c'est Mélenchon ou enfin bon, des gens de LFI qui disent « mais ce n'est pas à l'État de dire, de délimiter le religieux, de dire si l'abaya est religieux ou pas ». Bah, si, bien sûr, c'est évidemment à l'État de délimiter l'espace d'intervention du religieux. Parce que s'il ne le fait pas, c'est la religion qui lui dira, qui délimitera les prérogatives de l'État. Vous imaginez évidemment. Bien. Évidemment. Mais en théocratie. Donc ça n'a pas de sens. Alors voilà, sur le concordat, oui. Alors sur la page 229, pour répondre totalement aux questions d'oration, okay. J'ai dit plusieurs formes d'orthopraxie piétiste non politique. C'est ça. Bon, comme le wahhabisme madraliste, en fait, hein, j'aurais pu utiliser ce terme-là. Le malikisme soufi marocain, vous savez, c'est des... Voilà, celle qui se réfère au roi. Alors, j'ai mis la Jamaat at-Tablighe. Disons qu'elle est un petit peu... elle est piétiste, mais en Europe, elle devient très vite politique. Parce que c'est... Alors, ce n'est pas la Jamaat islamique, hein, mais c'est quand même la Jamaat at-Tablighe, c'est bizarre parce qu'elle est vraiment entre le piétisme et l'islam politique, pour moi. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas suffisamment travaillé, c'est pour ça que ça ne fait que 2 lignes dans mon livre. Voilà, j'espère avoir répondu à l'essentiel. Vous avez répondu oui, globalement aux questions d'Horatio, mais je laisserai rebondir donc, notre ami Ruyen, à part votre discours. Je t'en prie, Ruyen. Oui, merci. Moi, j'aimerais juste rebondir concernant le concordat, en fait, puisque vous avez dit... au cours de l'intervention, que voilà, il s'est établi un peu une doctrine qui est la suivante, qui est que les non-musulmans n'étaient pas légitimes pour pouvoir comprendre l'islam, les mouvements islamiques, etc., la culture islamique. Mais dans le même temps, vous nous dites que le concordat serait une bonne chose pour que les citoyens puissent exercer un regard de contrôle et dire, voilà, ça, on n'accepte pas. Mais dans ce cas-là, déjà, en termes de légitimité, comment les citoyens pourront être légitimes vis-à-vis du discours frériste, etc., qui s'est installé depuis des décennies maintenant. Deuxièmement, je veux dire, après les attaques, il y a eu quand même une production de la littérature, les gens se sont intéressés au phénomène islamique, et malgré cela, nous on constate avec Régulus que ça soit du côté des musulmans comme des non-musulmans, on a l'impression que le niveau il est à zéro, c'est-à-dire qu'il y a tout à refaire, c'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à comprendre les fondements de cette religion ou les fondements même de l'islam en France tel qu'il s'est constitué, etc. Alors que je sais pas, il y a des disciplines comme l'histoire, mais voilà, comme vous avez dit tout à l'heure au cours de l'intervention, peut-être que le discours n'arrive pas à passer parce qu'il y a des bâtons qui sont mis dans les roues, etc. Mais dans ce cas-là, en fait, comment les citoyens vont pouvoir effectuer un contrôle s'ils ne comprennent pas le phénomène islamique, s'ils n'ont pas la légitimité pour le faire? Et juste pour appuyer le propos, par exemple, il y a Soheb Benchir qui avait dit, lorsqu'il a quitté, je pense que c'était le rectorat de Marseille, parce qu'il disait, vous me demandez de m'asseoir à la table des négociations avec des frères musulmans, alors que vous dites que vous voulez lutter contre l'islam politique. Donc, si au niveau de l'État, le job n'est pas fait, je crains que le concordat ne soit une porte d'entrée, en fait, pour les fréristes.
Parce que après cela, parce que le frérisme, qu'est-ce qu'il cherche à faire ? C'est s'institutionnaliser, pardon. Oui, donc là, ils auront une légitimité, un ancrage, et je pense que ce sera un ancrage trop lourd et trop difficile à porter et à déconstruire si jamais le plan ne fonctionne pas. Ok. Alors, déjà, il faut bien distinguer deux choses. Tout à l'heure, j'ai parlé du relativisme et du fait que dans le champ académique, c'est-à-dire il y a le champ académique, c'est un univers académique, et puis il y a un autre univers qui est l'univers politique. Ces deux-là fonctionnent différemment. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans le champ académique, la tendance déplorable de ces 30 dernières années, c'était celle du relativisme, où finalement, on ne peut pas vraiment comprendre l'islam si on n'est pas musulman. Ce qui n'est pas 100% faux, mais l'inverse est faux, c'est-à-dire dire qu'on ne peut pas, qu'il est impossible de comprendre l'islam quand on n'est pas musulman, c'est faux. Mais évidemment, il y a du vrai dans le fait de dire qu'on le comprend différemment quand on est dans la sphère musulmane que quand on n'y est pas, tout simplement parce que on n'est pas dans le même cadre. Donc ça, ce sont des questions épistémologiques qui se posent dans le champ académique. Mais je dirais que ça, ça fait partie de la connaissance, de la science, du savoir, du débat, etc. Bon, mettons-le de côté. Ensuite, on a le champ politique. Le champ politique, c'est dans le cadre d'une loi de séparation, c'est de dire, voilà, l'État va qu'à ses affaires et la religion va qu'à ses affaires et l'État n'a pas de regard, n'a pas droit de regard sur le religieux en tant que substance, c'est-à-dire qu'il il va pas se mettre à interpréter le texte religieux, de même que, et à l'inverse, le religieux n'a pas de droit de regard ni d'intervention dans le champ politique. Voilà, donc ça c'est la théorie. La pratique dans le champ politique, toujours, c'est qu'on a un bureau des cultes qui choisit un peu ses interlocuteurs, qui fait pression et un peu moins les frères musulmans qu'ils redoutent, mais qui ne se rend pas compte que depuis plusieurs années, le recteur de la mosquée de Paris porte les valises des frères musulmans. Donc en fait, ça ne sert à rien, cette politique, ça empêche juste une crise dans le champ religieux qui permettrait peut-être son renouvellement par la base. Vous voyez, parce que l'État intervient trop dans le champ religieux par le sommet, en prenant en considération aussi les aspects internationaux, ses relations avec le Maroc, ses relations avec l'Algérie, avec la Tunisie ou avec la Turquie. Donc, cette politique de l'État français, notamment sur le halal, j'en avais parlé dans mon livre, est une politique qui ne respecte pas le contrat laïque, qui ne respecte pas le régime laïque et qui n'est pas non plus un concordat, parce que s'il y avait concordat, à ce moment-là, l'État serait comptable devant la nation et devrait expliquer ses choix aux parlementaires et donc aux citoyens. Si l'État devait expliquer ses choix, il serait obligé d'engager des rapports, de faire des recherches, de vraiment prendre connaissance du problème pour pouvoir le résoudre parce qu'il serait sous contrôle des citoyens, des universitaires, etc. Donc c'est là que je verrais un peu l'avantage d'un concordat, c'est-à-dire ouvrir un peu, ouvrir ce champ-là et que tout le monde puisse réfléchir non pas à ce qu'est l'islam et à ses fondements religieux, parce que ça, c'est pas le problème des Français, hein, quel qu'il soit, de savoir quels sont les fondements, comment cette religion marche. Ça, c'est le problème des gens qui s'intéressent au sujet, c'est le problème des spécialistes, très bien, et des musulmans, très bien, mais c'est pas le problème du Français. Par contre, ce que ça obligerait à un concordat, c'est avoir ou quelque chose de pas le concordat de Napoléon, hein, pas nécessairement, mais un accord entre des chefs religieux et l'État sous contrôle de la nation, ça obligerait à comprendre quels sont les périmètres respectifs du religieux et du politique, et que les citoyens soient conscients de ça.
Or aujourd'hui, cette espèce de trouble, cette espèce de c'est flou, donc on ne sait pas. Donc voilà, donc ça amène des gens comme les filles, je disais tout à l'heure, à dire c'est pas à l'État de dire si l'abaya est religieux ou non. Mais bien sûr que si, c'est à l'État de le dire, parce que si l'État décide que c'est pas religieux, enfin se laisse dire, comme par la mosquée de Paris ou les frères ou les autres, que ce n'est pas religieux, à ce moment-là, bah, ça rentre dans l'école. Et ça, ça ne va pas, parce que tout le monde sait bien que c'est religieux. Donc, que l'usage est religieux, peut-être pas l'origine, mais comme je disais tout à l'heure, l'origine, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est l'usage. Donc, c'est en ce sens-là que ce serait intéressant. Maintenant, je vois dans votre question que vous aimeriez que les Français non musulmans comprennent cette religion, ses fondements et pourquoi elle peut être dangereuse parfois. Oui, je pense que une clarification et peut-être qui passerait par un concordat permettrait qu'on soit plus savant, qu'on s'intéresse véritablement non pas à l'islam en tant que tel, mais à la limite entre le religieux et le politique. Ça nous ferait réfléchir davantage dessus et donc on se ferait moins piéger par les religieux qui aujourd'hui font ce qu'ils veulent. Hein. C'est-à-dire ils vous disent, voilà, ça c'est religieux, ça c'est pas religieux, et nous on doit l'accepter. Avec les musulmans, on fait ça depuis 40 ans. C'est-à-dire, ils nous disent, ça c'est halal, ça c'est pas halal, et ben ça y est, c'est halal, c'est pas halal. Ils nous disent, ça c'est religieux dans l'école, ça c'est pas religieux, et voilà, et il faudrait l'accepter. Ben non, il faut réfléchir sur ces limites entre le religieux et le politique, et c'est pour ça que malheureusement la laïcité aujourd'hui, en tout cas le débat sur la laïcité ne nous permet pas de faire ce travail. D'ailleurs, Florence, si vous voulez vous donner votre avis, vous n'êtes pas obligé de le faire. Que pensez-vous de la dernière mesure du ministre de l'Éducation français, Gabriel Attal, par rapport à la abaya? Vous avez un avis par rapport à ça, à l'efficacité d'une mesure ou l'inefficacité peut-être et tout ce qui s'en est suivi derrière? Alors, sur l'annonce en tant que telle de dire pas d'abaya à l'école dès avant la rentrée de façon aussi claire et nette, j'applaudis. L'État est dans son rôle, il prend ses responsabilités, il fait preuve d'autorité, il dit les limites du champ religieux, c'est parfait. Je veux dire, il n'y a vraiment rien à dire. Et Gabriel Attal a fait son job de ministre de l'Éducation parfaitement. Après, sur l'efficacité d'une telle mesure, on verra. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il pouvait dire d'autre? Je veux dire, il est allé au plus loin possible, c'est-à-dire en interdisant on s'est aperçu d'ailleurs qu'il y avait relativement peu de transgressions. Alors, ça ne veut pas dire que la partie est gagnée, hein, puisque de toute façon, les frères, et c'est tout l'objet de mon livre, ont un projet et qu'ils ne l'abandonneront pas. Tant qu'ils se déploient sur le territoire européen et français en particulier, ils n'abandonneront jamais cette question du hijab. Parce que, comme je l'explique, c'est un fondement de la société islamique. Et leur plan, c'est bien sûr d'instaurer la société islamique. Quand ils imposent le hijab en 1989 à ces trois collégiennes, bon, il n'y en a que trois, mais ça, c'est tout à fait retentissant, et puis qu'aujourd'hui, ils tiennent absolument à l'abaya, ce n'est pas par provocation, ça n'est pas pour agiter un signe de l'islam, comme je l'entends sans arrêt, c'est parce qu'ils instaurent déjà la société islamique. C'est déjà la société islamique, c'est déjà la normalisation des comportements des musulmans et des non-musulmans. Donc ils sont déjà bien plus en avance qu'on ne le dit. Et tout ce débat sur la sémiotique, est-ce que c'est un signe, est-ce que c'est un cheval de Troie, etc., c'est pas du tout intéressant. La société islamique, elle est là à partir du moment où une fille dit « je porte le voile parce que Dieu me l'a demandé », et bien elle est là. Elle transforme son comportement, elle enjoint les autres de le faire, les pressions et ce comportement-là, c'est la division sexuelle du travail.
C'est ça aussi. C'est si moi je mets le voile et puis qu'il y a un voile qui de toute façon sera de plus en plus long, je fais disparaître le féminin de la société. Ça veut dire que les femmes sont donc orientées vers un certain rôle, les hommes vers un autre rôle. Et c'est ça la société islamique. Ça commence là. C'est pour ça que c'est une partie qu'on ne peut pas perdre en démocratie. Parce que on peut pas le perdre. C'est pour ça qu'il faudra toujours s'opposer au voile. Et moi, je dis par exemple que, pour aller plus loin que la proposition d'Attal, qu'il faut interdire le voile des mineurs. Je pense que il est impératif d'empêcher que des enfants, très tôt, s'accoutument et s'habituent à être couverts au point qu'ils ne puissent plus, sans souffrir, enlever le voile. C'est ça qui est très dangereux. C'est l'accoutumance des enfants très petits. Ruyen, vas-y, tu voulais dire un truc ? Oui, je voulais poser une question à Florence. C'est une question qui revient assez souvent. Moi, je sais qu'elle y a répondu dans son livre. Elle y consacre tout un chapitre, mais peut-être pour résumer pour les auditeurs, la distinction que vous faites entre islam et islamisme. Et surtout, quel est le rapport avec le frérisme ? Bon, nous, avec Régulus, on comprend votre approche. Nous, on la résumerait juste d'une autre manière, puisque lorsque nous, on étudie à travers nos lives l'ambiance frériste, on distingue la différence qui est la suivante, c'est orthodoxie et hétérodoxie. Parce que nous, on considère que un musulman orthodoxe, il va considérer par exemple que la loi d'Allah est la plus haute. Et donc, par conséquent, ça va impliquer beaucoup de conséquences au niveau juridique, au niveau du comportement de ce musulman, etc. Alors que par exemple, un musulman hétérodoxe, comme il peut y en avoir comme par exemple les Yézidis, eux par exemple, ils pouvaient avoir la possibilité de se marier avec les chrétiens parce que leur fondement, leur dogme, leur vision, leur approche de l'islam était différente. Mais dans tous les cas, ce sont des musulmans hétérodoxes qui sont combattus par l'orthodoxie et cette orthodoxie qui combat non seulement les musulmans hétérodoxes, mais les non-musulmans, les gens du livre, les polythéistes et qui ont un plan et qui le déroulent en fait. Et donc du coup, pour nous, cette distinction elle est plus opérante et elle permet d'englober plus de mouvances avec plus de facilité, en fait. Oui, je suis. C'est-à-dire que pour nous, voilà, en France, nous, on ne va pas mentir, on ne va pas dire aux gens que voilà, ça va être un islam orthodoxe. Oui, je suis. Et que de toute façon, comme Gérald Darmanin a dit, l'islam est en crise et il y a un problème avec l'islam sunnite. Donc voilà, c'était un peu ça pour avoir un peu la distinction. Je crois que le sunnisme, hein, le chiisme aussi pose des tas de problèmes, mais je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a une orthodoxie et des hétérodoxies. D'ailleurs, parce que comme je le disais tout à l'heure, une religion s'assimile toujours à un terroir culturel, il est en prise avec la terre, la sociologie, la géographie, donc il se colore toujours, et on a toujours vu ça. Au long des siècles, la façon d'être musulman en Afrique n'est pas celle des Bosniaques. Vous voyez, donc il y a des différences, ou celle des Yézidis par exemple. Donc il y a des différences qui peuvent être institutionnalisées ou non, ou culturelles ou non. Justement, ce que veulent les fréristes, avec leur système islam, c'est ce que je développe aussi dans mon livre, ils ont une conception très moderne et très systémique de l'islam inventée dans les années 20-30, hein, que ce soit celle de la branche de Hassan el-Banna, des frères musulmans, ou celle de la branche cousine indo-pakistanaise de Maududi, qui ont d'ailleurs des fonctionnements très similaires sans forcément tous s'emprunter. Donc ces courants-là, c'est ce courant du XXe siècle, ce courant orthodoxe qui se veut celui du juste milieu,
ça n'est pas un, ça n'est pas, et c'est pour ça que je trouve assez intéressant votre distinction, ça n'est pas une des hétérodoxies, c'est bien l'orthodoxie, c'est-à-dire la seule voie possible, la seule voie droite possible pour tout le monde. Et ce que veulent ces groupes qui sont axés sur la mission, c'est-à-dire qui sont axés sur le fait qu'il faut absolument établir une société islamique, c'est faire jouer, en fait, se servir de toutes les hétérodoxies pour les amener en fait vers leur vision du monde, que ça soit les différents donc les hétérodoxies, aussi les fondamentalistes djihadistes, les wahhabites, tout ça, tous ces gens-là ont leurs particularités, ont leur sensibilité, et ce que veulent les frères musulmans, ce n'est pas être un de ces courants-là, c'est les amener, c'est les faire travailler dans leur sens, même s'ils sont ce qu'ils sont. On le voit, cet esprit-là, on le retrouve dans la dhimmitude, c'est-à-dire on ne dit pas aux chrétiens ou aux juifs d'être autre chose que ce qu'ils sont, mais seulement on leur donne un cadre islamique, c'est-à-dire qu'ils peuvent être chrétiens dans un cadre islamique, ils peuvent être juifs dans un cadre islamique, ce qui est le contraire de l'autodétermination. Pardon. Ben, ils font pareil en fait avec les autres mouvements. Moi, c'est ça que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est que ce n'est pas, comme la plupart de mes collègues le disent, un islamiste, un fondamentalisme, pas un islam politique parmi d'autres. Les frères, le frérisme, c'est une pensée totalisante, totalitaire, orthodoxe, suprémaciste, qui est axée sur la mission, qui veut se servir de tous les courants. Et donc, il les étouffe. Et c'est pour ça que c'est un. Alors, l'autre caractéristique du frérisme, c'est d'être un islamisme particulièrement adapté aux sociétés pacifiées, multiculturelles, libérales, démocratiques. C'est-à-dire qui évite, en particulier le frérisme, donc évite le politique, préfère passer par la culture, par l'économie. C'est ce que vous avez affiché Modoudi, c'est ce que Modoudi préconisait, hein, éviter la confrontation politique, parce que ça, finalement, ça ne permet pas de changer les mœurs, ça ne permet pas de changer les comportements. La révolution politique viendra en fait du changement des mœurs, des comportements, des corps en fait, et des esprits, des corps et des esprits, puisque cette forme d'orthodoxie, qu'elle soit modoudiste ou baniste des frères musulmans, est très inspirée du soufisme aussi. C'est intéressant de voir ça. Donc transformer les corps et les esprits par la culture, par la publicité aujourd'hui, par le marketing du halal, hein, par l'abaya, par vous voyez, tout ça, ça sert en fait à transformer les comportements, à imposer des normes et après à ce que j'appelle rendre la société charia compatible. C'est-à-dire, c'est pas une société chariatique, mais c'est une société qui n'empêche pas la charia d'être jusqu'à ce qu'elle prenne ses marques et par sa volonté de s'imposer, s'impose et fasse disparaître toutes les autres sensibilités et à la fin toutes les autres religions. Alors, merci beaucoup pour votre réponse. Et juste quelques petites remarques, sans doute très intéressantes, de la part d'un ami aposta qui est en étude d'islamologie. La première est celle de l'emploi précédente de la notion d'orientaliste. Selon lui, la notion d'orientaliste est utilisée de manière contemporaine, de manière à discréditer les spécialistes dans différentes branches de l'islamologie, la codicologie, la recherche par rapport aux manuscrits coraniques notamment. Est-ce que ce terme mérite encore ou est encore d'usage dans le milieu universitaire? Oui, je vous en prie. C'est un terme qui est devenu péjoratif. Voilà. Suite à la controverse Édouard Saïd, Bernard Lewis, Édouard Saïd ayant gagné haut la main le combat, injustement à mon avis, il faut réhabiliter certains travaux de Bernard Lewis et sortir de ce saïdo-centrage, si je puis dire, c'est vraiment un qui a discrédité l'orientalisme, qui pourtant avait produit des travaux très intéressants. Bon, évidemment. C'est pas la vérité, mais c'était des gens qui étaient des érudits, qui allaient au fond des textes, qui mettaient en évidence aussi leurs contradictions. Je vois que c'est quelque chose qui revient notamment grâce aux ex-musulmans,
qui justement sont ex-musulmans parce qu'ils ont été voir les textes et qu'ils ont trouvé des contradictions. Bien sûr, il y a le livre de comment il s'appelle, de Majid Oukacha, hein, qui vient de sortir, évidemment. C'est un travail d'orientaliste pour moi. Oui, comme ce qui poursuit, c'est une critique du Coran, comme certains ont critiqué, par exemple, les transmissions de narration qu'on appelle hadith issues du prophète, avec Noël Dicke, Goldman, etc. Bien sûr. L'autre petite remarque, c'était par rapport à la notion, c'est un peu vous trouvez ça un peu drôle, c'est la notion d'islamophilie qu'on pourrait rattacher à certains groupes politiques qui s'attachent à défendre non pas les musulmans en tant qu'individu, ce qui est discutable, bien sûr. Voilà, les droits de certaines personnes victimes de par leur religiosité, de certaines discriminations, je l'entends bien, mais jusqu'à en défendre même la religion en tant que telle. Alors, ces partis se prétendent être laïcs. Donc, on pourrait pas quelque part énoncer une certaine islamophilie pour contrebalancer à l'islamophobie de certains. Qu'est-ce que vous en pensez de ces termes? L'islamophilie peut être une forme cachée d'islamophobie ou d'islamo-fascination. En fait, il y a bien sûr le marché électoral. Hein, on voit bien que les partis qui ont défilé avec les organisations fréristes au cri d'Allahu Akbar dans les rues parisiennes sont évidemment vont faire leur marché électoral et ils ont tapé juste, puisque je crois que LFI avait ramassé 60% des voix des musulmans. Il y a aussi le marché halal, qui est islamophile, profondément islamophile. Le marché halal, c'est un marché dont les produits, les services sont produits par des firmes tout à fait, enfin, qui ne sont pas musulmanes. Des firmes conventionnelles et qui se servent donc des prescriptions islamiques dictées par des réseaux fréristes fondamentalistes, parce qu'il n'y a que les fondamentalistes qui sont capables de réduire la religion à des instructions pour la boucherie, par exemple, pour la boucherie industrielle. Les autres sensibilités religieuses restent un petit peu plus... reste dans la, j'allais dire, dans quelque chose de plus spirituel, de plus poétique, qui n'est pas compatible avec des instructions pour la machine industrielle qui sont nécessaires pour le marché halal. Donc, c'est plutôt les fondamentalistes littéralistes qui ont vocation à donner ces instructions à la machine industrielle qui est produite, donc, comme je disais, par les entreprises conventionnelles. Donc ce marché-là, il est profondément islamistophile, on peut dire même, plutôt que islamophile. Il aide, il finance aussi l'industrie de la mode, hein, avec, voilà, il ne faut pas qu'on voit les pieds, il ne faut pas qu'on voit les mains ou le visage, etc. Bon, on voit de plus en plus la mode s'adapter à des tenues de plus en plus longues, que ce soit dans la piscine ou ailleurs. Donc, toutes ces instructions-là, elles sont données par des fréristes qui sont avalées sans la moindre critique par Nike, Adidas et les grandes entreprises qui deviennent véritablement islamophiles, islamistes même. Pour ma part, ma dernière question avant de laisser la dernière intervention à mon ami Horatio et après on vous libère, promis. En tout cas, merci beaucoup, toi, je réitère d'avoir accepté l'invitation. Alors, la question c'est, pour ceux qui entendent votre discours, votre propos, votre analyse, vos recherches, mais qui comprennent pas encore concrètement les frères musulmans parce qu'ils ne sont pas peut-être assez investis dans la compréhension et dans l'étude de vos recherches ou d'autres personnes qui travaillent sur le sujet, comment pourriez-vous expliquer en soi les conséquences pour l'Europe, la France, de l'aboutissement du projet des ex-musulmans, de manière très simpliste, de manière très vulgarisée, pour vraiment les gens qui n'arrivent pas à se plonger dans le sujet, peut-être parce qu'ils ont certaines réticences ou complexité à comprendre la thématique en question. Vous parlez du projet ex-musulman, c'est ça ?
du projet des frères, imaginons s'ils arrivent à maturation, quelles seront les conséquences concrètes pour le droit, pour la France? Je ne comprenais pas. Ok. Alors, en fait, il ne faut pas le voir comme ça. Ok. Au départ, c'est l'erreur des théories sur la fin de l'islam politique. Hein, vous vous souvenez, Olivier Roy, même Gilles Kepel, avaient prédit la fin de l'islam politique, la fin de l'islam politique, parce que, évidemment, ces gens-là ne pouvaient pas imposer la théocratie par la démocratie, parce que s'ils le faisaient, ben, nécessairement, c'est que c'était c'est qu'ils passaient en fait sous les fourches caudines de la démocratie, donc ils ne pouvaient pas être d'authentiques théocrates, etc. Donc il y avait une impossibilité logique à vouloir de la théocratie tout en se servant de la philosophie politique de la démocratie. Voilà. En gros, c'était ça. Et moi, ce que je pense, c'est que il ne faut pas regarder la finalité. Il faut les regarder, regarder le plan, mais il ne faut pas regarder le plan nous-mêmes. C'est-à-dire que, pour être clair, ils ont un projet d'instauration d'une société islamique, donc ce qu'ils appellent le califat, alors la société islamique plutôt moderne, hein, pas Raqqa et les désastres de Raqqa. C'est leur visée, c'est leur vision, hein. Dans mon livre, j'explique la vision, l'identité, le plan. Bon, c'est leur vision du futur, c'est ça. Donc, ils regardent vers là. Et tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est parce qu'ils regardent dans ce sens-là. Mais il ne faut pas les regarder, il faut pas regarder ce qu'ils regardent. Il faut les regarder agir en fonction de là où ils regardent. Et de sorte que, on ne se demande pas s'ils vont y arriver. On s'en fiche, je veux dire, de savoir s'ils vont y arriver ou non. Ce qui importe, c'est ce qu'ils font pour y arriver. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Il faut pas qu'on soit idiot et qu'on regarde le doigt. Il faut pas qu'on regarde la lune non plus. Il faut qu'on regarde ce qu'ils font aujourd'hui pour arriver à leur fin. Parce que c'est en observant ça qu'on arrivera à déjouer, en fait, leur plan. Et à voir comment ils utilisent, puisque tout seul, ils ne pourraient pas y arriver, c'est parce qu'ils ont des alliés à gauche en particulier. Si on est plus attentif à ce qu'ils font aujourd'hui, à ce moment-là, tout en prenant en compte, je ne sais pas si je suis claire, tout en prenant en compte le fait qu'ils agissent toujours par rapport à un plan et donc à un objectif, Bien sûr. En gros, vous dites que les frères musulmans suivent une feuille de route, voilà, qui a été initiée depuis une date. Voilà, vous avez tout l'historique d'ailleurs des frères musulmans dans votre livre, et qu'il faut focaliser notre effort de compréhension sur le réel, sur le présent, plutôt que d'essayer de spéculer sur un futur potentiel. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ok. Exactement. Mais aussi tout en prenant conscience que ce qu'ils le font, ils le font par rapport à leur projet. Donc il ne faut Bien pas sûr. regarder le projet, mais ne pas perdre de vue le projet. Or, c'est ce qui s'est passé avec les gens qui ont étudié les frères musulmans. Par exemple, Brigitte Maréchal, qui est une spécialiste des frères musulmans en Belgique, à un moment donné, elle finit par dire, bon, bah, en fait, ils ont abandonné le plan califal. Erreur, erreur, erreur. Ça, elle a juste gobé ce qu'on lui a dit, parce que les frères, évidemment, lui ont fait croire ça. Parce que évidemment, il faut qu'il reste secret, donc il fallait bien qu'il l'induise en erreur. Donc pour moi, elle est complètement induite en erreur parce qu'elle a oublié ou elle n'a pas voulu voir que ces gens continuent d'agir par rapport à leur plan. Parce que si on ne voit pas leur plan, on comprend rien à ce qu'ils font, et si on comprend rien à ce qu'ils font, on peut pas les déjouer. Donc, alors juste une petite remarque sur le plan. Alors le plan, il commence à être pensé à partir de Hassan El-Banna, où, oui, Hassan El-Banna, on peut dire que c'est vraiment l'homme du plan, mais il va être ensuite réactualisé périodiquement, selon les contextes, avec une certaine autonomie des représentants des frères en Europe ou aux États-Unis. Qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques, pas les mêmes barrières que ceux qui vivent en Égypte, par exemple, ou en Jordanie. Donc tous ces groupes, en fait, refont leur plan. C'est pas un grand plan. Enfin, si, bien sûr, il y a un grand plan califal, mais après, il y a des plans intermédiaires. C'est-à-dire,
c'est des plans à 5 ans, des plans à 12 ans, des plans à 30 ans, par exemple, notamment celui de Youssef El-Kardaoui, que je détaille un peu dans mon livre, où j'explique qu'il y a 30 ans, il dit ce qui va se passer dans 30 ans, et force est de constater que c'est assez bien vu. Donc, est-ce qu'il était visionnaire ou est-ce qu'il a créé en fait ce mouvement ? Ben, sans doute un peu les deux. Donc, si on est conscient qu'ils agissent par plan, et si on n'est pas obsédé par l'idée qu'ils vont y arriver ou qu'ils ne vont pas y arriver, on comprendra mieux leur logique et on sera apte à les déjouer. Tout à fait. Horacio, je t'en prie pour la dernière intervention. Alors, merci. Donc, moi, pour rebondir en fait sur ce que vous avez dit en termes de ne pas être spectateur de la situation, mais vraiment intervenir et être capable de court-circuiter leurs actions. Donc, moi, j'avais un certain nombre de propositions à la fois pour compléter le contenu de votre livre, mais aussi dans notre démarche en fait d'affrontement vis-à-vis de l'invasion islamique, en particulier amorcée par celle des frères musulmans. Donc, après, on peut les considérer à un certain niveau à différentes positions du spectre hein, dans le combat contre l'invasion islamique, mais je vais vous les lister quand même. Il y en aura certaines qui vont apparaître très farfelues, d'autres, je pense, plus plausibles, et j'espère que le ministre de l'Intérieur en prendra bonne note par hasard, en fait, si ça lui arrivait d'écouter. Donc, en premier, j'aurais mis interdire les frères musulmans en France et en Europe, parce qu'il y a des pays dans lesquels ils sont interdits. Si, par exemple, vous prenez l'ouvrage de Marie Van Etzel sur les frères musulmans, Un secret public en Égypte, il faut savoir qu'officiellement, il y a des pays, même des pays musulmans, ils n'ont pas le droit de citer. Donc, il y a interdire le wahhabisme, le salafisme, les tablirs, le miligorush, les fetulachi, les nurju, les soulaymanchi, les deobandi. Alors, quelque chose qui est, je pense, fondamental, c'est bloquer tous les flux financiers qui dépassent un certain montant et issus de tous les pays musulmans, en particulier vers l'Europe occidentale. Alors, vous en avez parlé rapidement, c'est légiférer à interdire le voile des mineurs en France. Ne plus accorder le statut de réfugié en fait à des personnes issues des pays musulmans. Je fais référence par exemple à l'événement tragique qui a eu lieu en fait où il y a eu une personne, je crois qu'elle venait de Syrie, elle s'est fait passer pour un chrétien en fait parce que au niveau des associations humanitaires, dire qu'on est chrétien quand on vient d'un pays musulman, ça passe beaucoup mieux en tant que statut de victimisant. Renforcer les sanctions légales sur le comportement délictuel des personnes musulmanes face aux personnes comme les homosexuels, les apostats et les femmes. Ça semble évident, même si sur le plan juridique, je pense que c'est un chemin de croix pour y arriver. Alors, quelque chose sur lequel en fait on parle pas beaucoup dans l'actualité, mais ça transparaît, ne plus livrer d'armes en fait sur un plan militaire aux pays musulmans. Il y a aussi le fait de ne pas accepter de fonds de la part des pays musulmans qui souhaiteraient investir en France, en Union européenne ou dans l'espace économique européen. Il y a des pays musulmans qui achètent des espaces, enfin, des portions de territoire en fait en France et en Europe occidentale. Je pense que là aussi en fait il faudrait mettre un gros coup de d'accélérateur. Alors, il y a un problème concernant la double nationalité. Il y a beaucoup de personnes des pays musulmans, en fait, qui vont dans des pays occidentaux qui bénéficient de la double nationalité. Et ça, je trouve que là-dessus, il y a quelque chose, en fait, à faire parce que ils sont considérés dans leur pays d'origine souvent comme des citoyens à part entière et on utilise leur statut un peu comme le cheval de Troie, ça a été cité rapidement. Moi, je préconiserais de fermer les mosquées et, si possible, même de les remplacer par d'autres édifices. En fait, celles qui sont soupçonnées de véhiculer des discours anti-Occident, anti-France, anti-principe démocratique et qui pourrait héberger des personnes qui seraient liées de près ou de loin. Condamner en fait les musulmans qui chercheraient en France, en Union européenne, à insérer dans les statuts constitutionnels français et ou européens des éléments islamiques quels qu'ils soient. On a vu d'ailleurs le cas, je crois qu'il y a un an ou deux, avec un représentant du parti écologique en Allemagne qui a essayé d'insérer dans la constitution allemande des éléments chariatiques. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on ne s'en rend pas compte des dégâts que ça fait sur les réseaux sociaux, surtout à cette époque où ils sont extrêmement proéminents. C'est pénaliser les discours religieux qui font référence aux ordonnances divines, d'attaquer des individus pour des raisons supposées de discorde quant à la menace sur l'harmonie au sein d'un groupe religieux. Ça veut dire, par exemple, lorsqu'il y a des imams, des prédicateurs qui sont dans un pays et qui ordonnent en fait à d'autres musulmans d'attaquer des non-musulmans. Par exemple, je prends le discours de Abou Bakr al-Baghdadi, le discours de Al-Qaradawi, qui en fait, il disait entre les lignes que voilà, on va coloniser la France et l'Europe et d'attaquer tous les non-musulmans. Après, le contexte était bien particulier, mais ça fait quand même son
son chemin dans l'esprit de personnes en fait qui seraient pas avisées, et aussi les musulmans prosélytes qui publiquement ou en privé citent des parties du corpus islamique où il faut tuer des gens qui quittent une religion ou qui combattent les gens d'une religion différente. Alors là, on est directement concerné en tant que ex-musulmans. Et alors, pour finir, là, j'ai deux questions. Alors, vous avez parlé de l'Iran et du chiisme qui sont actuellement en perte de vitesse. Hein, si on regarde, il y a des chiffres et puis il y a des valeurs un peu indicatives qui circulent dans l'opinion publique en termes de croyances. Donc, ils vivent un tsunami d'apostasie et il y a un transfert à la fois religieux et irreligieux essentiellement vers le christianisme quand vous avez mentionné le chiisme. Donc, le religieux, en fait, il cherche à faire passer un item en particulier dans le cas du chiisme, ça peut s'appliquer aussi au sionisme, il y a de l'apostasie partout, en particulier dans les pays musulmans, donc qui veulent faire passer un item irrationnel dans un univers rationnel, et ça peut pas résister en fait à la confrontation avec le réel, tôt ou tard, sauf s'il accepte de se dévoyer au niveau de son approche du réel, sans construction chimérique, sans faux-semblant. Et on voit aussi, justement avec l'exemple de l'Iran, pour rester dedans, comment un régime religieux se comporte face à la gronde et à la fronde populaire. C'est littéralement, on l'a observé hein, depuis un an et demi avec le cas de Mahsa Amini, la fuite à tous les étages, et au passage, mes pensées, mon soutien total aux femmes qui sont victimes du système théocratique là-bas, mais qui sont victimes du système théocratique même de façon officieuse dans tous les pays, qui se battent au quotidien afin que son sacrifice soit pas vain. Donc c'est vraiment le sauf qui peut, en particulier en Iran. Donc vous, votre posture, très rapidement, vous, par rapport à la situation en Iran et la vague d'apostasie qu'il y a dans le monde musulman, même si je sais qu'on n'a pas, il n'y a pas d'indicateur, ça va être très très difficile de le mesurer. Quelle est-elle? Et enfin, avant de rendre la parole, moi j'ai lu il y a plusieurs années le livre de Mohamed Louizi, Pourquoi j'ai quitté les frères musulmans. Est-ce que vous avez, est-ce que ça vous est arrivé de parcourir le contenu de ce livre et d'observer la posture narrative? Parce que moi, quand je pense maintenant, quand je pense aux frères musulmans de façon générale, j'ai toujours l'impression qu'ils sont en posture cheval de Troie. Et ma paranoïa allant, je me dis pourquoi pas jusqu'où? Enfin, ils sont capables d'aller tellement loin qu'ils pourraient peut-être financer quelqu'un pour se faire passer pour un. Alors, vraiment, je spécule, hein. Mais de façon générale, qu'est-ce que vous pensez de sa posture narrative vis-à-vis du contenu de son livre? Mohamed Louizi, vous imaginez que Mohamed Louizi pourrait être un faux ex-frère musulman? Je spécule. Ok. Ce n'est pas du tout mon sentiment. Et je l'ai rencontré plusieurs fois et non, il me semble pas du tout. Il a eu beaucoup trop d'ennuis pour que ce soit le cas. Il y a de vrais ex-frères musulmans et lui fait partie des personnes que j'ai rencontrées que je considère véritablement sorties. Il y a des gens qui en sont pas sortis mais qui les subissent. Parce que tout simplement, comme vous le savez, la confrérie fait en sorte de non seulement vous inculquer une idéologie, mais tout un milieu social. Vos maris, tous vos amis sont du milieu et il est très très difficile d'en sortir parce qu'on sort d'une communauté de vie, parce qu'on peut se fâcher avec sa femme, avec ses enfants, avec voilà. Donc je connais des frères qui sont dans cette situation. Où ils ne peuvent pas en sortir. Et puis, il y a les frères duplices, j'en parle un peu dans mon livre, c'est-à-dire qui ont gardé exactement les mêmes activités que quand ils étaient frères. Donc là, il n'y a aucune raison de leur prêter le crédit d'en être sortis. Et puis surtout, je voudrais insister sur le fait qu'on peut être un affilié de la confrérie, c'est-à-dire pas membre assermenté, mais simplement un proche, et finalement servir la confrérie mieux que tout le monde. N'oublions jamais que Al-Qardaoui n'a pas voulu rentrer, enfin est sorti de la confrérie et n'y est apparemment pas officiellement re-rentré. Donc si Qardaoui lui-même n'est pas de la confrérie, si Tariq Ramadan lui-même apparaît ne pas être membre assermenté de la confrérie, ce sont pourtant ses meilleurs serviteurs. Donc ça veut rien dire du tout. Et à l'inverse, je pense qu'il n'y a pas de raison de soupçonner des gens qui manifestement ont fait vraiment beaucoup d'efforts pour essayer de faire comprendre comment ça marche à l'intérieur, ce que je pense Mohamed Louizi a fait assez bien. Sur les solutions que vous préconisez, moi j'en donne deux généralement, parce que j'en donne deux, c'est l'interdiction du voile sur les mineurs pour éviter que les filles, donc la moitié de la population musulmane réislamisable, tombe dans ce
dans la norme islamique, dans la norme, dans l'espace du halal, en fait, dans la norme halal, dans l'espace normatif du halal, pour être précise, et ne puisse plus en sortir parce que complètement conditionné. Et l'autre, c'est bien sûr aider les ex-musulmans, les apostats, ceux qui se disent apostats, ou simplement ex-musulmans, ou ex-frères musulmans aussi, les aider à obtenir un discours dans l'espace public, les réhabiliter, parce que là, c'est incroyable, mais ils sont accusés donc d'être extrême droite, etc., enfin les accusations habituelles, alors par des gens qui eux-mêmes ont soit apostasié, soit sont issus d'apostats. Puisque vous savez très bien que en France, le catholicisme, la filiation au catholicisme a beaucoup baissé, et donc ça veut dire qu'il a été remplacé par des apostats. Donc pourquoi est-ce que les musulmans n'auraient pas le droit de sortir de leur religion, n'auraient pas le droit de le dire, de l'affirmer, sans être suspectés de combattre l'islam, d'être islamophobe ou je ne sais quoi? Ça, c'est vraiment... il faut s'occuper de ça de toute urgence. Et ça a bien sûr une autre vertu, c'est que à ce moment-là, il devient possible enfin de sortir de l'injonction des frères à ne pratiquer l'islam que dans son intégralité. Il faut qu'on puisse avoir des musulmans qui, un peu comme le disait Abdennour Bidar avec son self-islam, choisissent un peu ce qu'ils veulent conserver ou non dans l'islam, et un rapport au texte libre, soit, parce qu'il y aura toujours hein, des intégralistes, des littéralistes, il y en aura toujours, mais il faut que ça soit plus équilibré et que des gens puissent avoir une vision de l'islam, la leur, sans être excommuniés, sans être bannis par ceux qui ne sont même pas musulmans, mais qui traitent tout le monde d'islamophobe. Ça me paraît facile à faire. Les deux, hein, les deux propositions que je fais me paraissent relativement faciles à faire, légales. Et tandis que tout ce qui consiste à interdire ceci, à interdire cela, je suis désolée, mais on est dans une société, une démocratie libérale. Et il y a des valeurs de liberté qu'on ne peut pas sacrifier. Donc, il faut, puisqu'ils agissent sur les comportements, puisqu'ils agissent en contournant le politique, par le culturel et l'économie, c'est sur ces champs-là qu'il faut les battre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, il faut aussi faire comprendre à ceux qui jouent au marché halal qu'ils vont perdre sur toute la ligne, parce que la dynamique propre du halal, c'est de s'installer au départ dans une société lambda, et ensuite de renforcer la norme, et donc d'obliger la société lambda à suivre les directives des certificateurs, jusqu'à ce que la société ne puisse plus suivre et qu'elle soit rachetée par une société musulmane. C'est ce qui est arrivé par exemple à Doux, l'entreprise, le volailler Doux, c'est comme ça que ça s'est passé. Elle avait son certificateur qu'elle faisait travailler bon, un peu à sa manière. Il faisait du halal, tout allait bien, jusqu'à ce que sur les réseaux sociaux, les Alcantes et compagnie commencent à les canarder en disant « c'est pas du vrai halal », qu'ils commencent à publier leurs reproches en arabe sur les réseaux saoudiens, que les clients saoudiens se disent « ah, mais alors, si l'entreprise Doux ne fait pas du halal, qu'est-ce qu'on mange ?» jusqu'à ce que l'entreprise Doux soit obligée de changer ses méthodes de certification, que ça ne soit jamais suffisant et qu'elle soit rachetée par une société saoudienne. C'est ce qui s'est passé. Donc là, on a un cas d'école, mais ça peut se passer pour tout. Donc tous ceux qui s'engagent dans le marché halal, ben, il ferait mieux de regarder un petit peu mieux parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est le jeu de ceux qui vont les manger un jour. Voilà, ça c'est... Pour moi, ces formations, ces alertes seront plus efficaces dans une société démocratique, séculière, libérale, que des interdictions qui vont être très très difficiles à faire appliquer et qui seront peut-être contre-productives.
Merci beaucoup Florence pour votre réponse, toujours complète, détaillée et pertinente. On va vous laisser là. On a déjà beaucoup débordé sur le temps convenu et je vous remercie d'avoir fait, voilà, fait accepté le Et fait. c'est moi, Alors, de je rien. veux vous remercier et puis je vous encourage vraiment pour le travail que vous faites. Merci. C'était un entretien d'abord très agréable, où on est en confiance et où on peut développer ses idées. Donc ça, je vous en remercie. Et voilà, continuez votre travail. Et si je peux vous être utile de temps en temps, dans le peu de temps qui me reste, parce que mes journées sont très très prises en ce moment, n'hésitez pas à me solliciter et puis tenez-moi au courant de ce que vous faites. Voilà, Ah, merci. puisque vous le proposez, on ne dit pas non. De toute façon, on est en contact en privé, on conviendra de prochaines potentielles, voilà, interventions futures. En tout cas, merci beaucoup pour la proposition. Nous la prenons avec joie et grand cœur. Alors, je refais la publicité une dernière fois de votre livre. Donc, le livre Le Sphérisme et ses réseaux, l'enquête, préfacé par Gilles Kepel aux éditions Odile. Donc, Odile Jacob, ouais, j'avais pas vu Odile Jacob. Donc, je vous invite à vous le procurer le plus vite possible si vous voulez comprendre ce qu'il se passe vis-à-vis du frérisme en Europe et en France pour les Français que ça intéresse. Merci beaucoup, Florence. Je vous libère. On va encore débriefer un peu. Donc, vous pouvez partir, vous appuyez sur quitter normalement et Bien. normalement, vous pouvez aller. Merci beaucoup. Au revoir. Bien. Au revoir, Florence. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Voilà, c'est bon. Voilà. Oh, Florence, toi aussi, tu peux aller, t'inquiète pas. Merci d'avoir accepté de venir et de poser des questions très, très intéressantes, très pointues. Franchement, très bonne question. Bravo. J'aurais pas fait mieux. Soir, ce fut un plaisir, mon ami. De rien. Ah, Merci, il est frérot. kiff. Merci. Vas-y, je te laisse, toi aussi. Bonne soirée. J'avais une question à lui poser, c'était si elle avait prévu un prochain livre, mais bon, j'ai oublié, c'est Ah pas grave, tant oui, pis, c'est pas c'est grave. pas grave, on Bon, pourra lui elle poser va là, on revenir. n'a pas. Ouais, apparemment, elle va revenir. Donc bon. Ok, ah, super. Impeccable. Merci pour ton Régulus, t'assure, ça me fait Non, super plaisir. Je l'avais préparé, c'est c'est pour ça. bon. Ouais, Pense à toi. je sais, toi aussi. Ciao. Merci, Ciao. salut. Ruin. Ruin. Oui, je suis là. Je sais que t'es allé prendre un peu d'été, tranquille et tout, Ouais, voilà. tu connais, hein, en Voilà. détente toujours. Non, là, je pense qu'on a augmenté le niveau, c'était très intéressant. Il y a eu des réponses extrêmement détaillées. En plus, Horacio avait préparé aussi. Franchement, c'était très bien, je pense. Je pense que c'était très bien, on peut Oui, se oui, féliciter. oui. Alors, tu voudrais qu'on poursuive sur ce live ou qu'on relance un autre? Non, on peut poursuivre là sur ce live. Je pense qu'on fait un petit débrief tranquille, hein. Alors, est-ce qu'on peut inviter des gens? Excusez-moi à monter. Oui. Ouais, alors je mets le lien dans le chat pour ceux qui voudraient monter et donner leur avis sur l'échange, pour ceux qui auraient suivi depuis le début, voire même de passage ou un petit extrait, je vous invite à monter. Alors, voilà. Sinon, oui, toi, t'en as pensé quoi avant que une potentielle personne ne monte? Ouais, en attendant, bon, moi, je pense qu'on va activer le logiciel de la piraterie. Hein. Là, on revient, là, c'était académique, là, on revient dans la piraterie à 10%. Hein? Parce que nous, c'est comme ça qu'on est efficace contre les FM. Hein? Donc, Oui, tout à fait, tout à fait. non, mais c'est intéressant. Juste, moi, je pense que ce qu'on peut dire, par exemple, en fait, il y a quelque chose qu'elle a dit d'extrêmement intéressant que moi, j'aimerais développer. C'est lorsque, je pense que c'était Horacio qui avait posé la question, comment identifier les FM. Et en fait, elle a dit Ah. quelque chose d'intéressant et moi, j'ai trouvé son approche intelligente. Bon, on n'a pas pu lui poser la question est-ce que c'était volontaire ou pas, mais je m'explique. C'est que si elle s'était aventurée à donner son avis sans éléments factuels, comme c'est le cas dans son livre, eh bien là, les FM auraient pu lui reprocher que c'est pas scientifique. Or, elle ne l'a pas fait. Or, nous, il y a des éléments on peut dire qu'il y a des éléments qui permettent d'identifier des FM. Mais c'est très simple, mec. Par exemple, les FM, vous avez discuté avec un gars, et par exemple, vous avez commencé à critiquer certains savants, hein? Comme par exemple, je ne sais pas moi, Kardawi ou Ibn Taymiyyah ou je ne sais pas qui.
et, ou ça y est trop pour certains, pour ceux qui sont un peu trop hard, tu vois. Et là, ils vont commencer à être pas contents. Déjà, ça, c'est bizarre. Deuxième truc qu'ils font, c'est citer beaucoup de choses à l'oral, mais jamais ramener les preuves à l'écrit. Ça, c'est une de leur méthodologie. Je suis désolé, quand nous, on a vu comment ils font les conférences, comment ils présentent, leur khutba et tout, toujours de l'oral. Je suis désolé. Après, pour aller chercher les preuves ou comment, quelle édition, c'est le parcours du combattant. Autre truc. Vas-y, finis avant de faire intervenir les autres, parce que là, il y a une queue de gens qui sont montés. Vas-y. Et après, moi, un truc, par contre, j'étais d'accord avec Florence quand elle dit qu'il ne faut pas regarder là où les FM pointent le doigt, mais regarder ce qu'ils font. Mais quand même, c'est important de replacer le contexte. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? C'est quand même instaurer un califat. Bon, moi, je suis un peu moins d'accord sur le fait qu'elles disent que ce ne serait pas le même que celui de Syrie. Parce que, en fait, c'est très simple. Quand on est FM, tu luttes pour établir un califat. Et quel type de califat? Un califat qui va mettre la djimitude, un califat qui va permettre la charia. Je suis désolé. Quelle va être la différence avec le califat de Syrie? Je ne sais pas, mais tu vois. Donc, il ne faut pas se tromper. La méthode d'action, la méthodologie n'est pas la même, évidemment. Ce n'est pas Ilahi Kardawi. Ce ne sera pas par l'épée, ce sera par la dawa. Voilà. Donc, la méthodologie, ok, on a compris. Si on dit c'est ça le plan et tout, et qu'on se met en tête que c'est ça le plan, ok, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, là où ça aurait été intéressant de rebondir, c'est de dire, par exemple, lorsque il y a des associations musulmanes qui poussent une idée, notamment législative. Il faut se poser la question, pourquoi en fait? Par exemple, pourquoi certains groupes poussent par rapport à la question du blasphème? Ils avaient vu juste à l'époque, parce que la question du blasphème, la question de l'apostasie, la question de Charlie Hebdo, des Sarib Masloul, des je ne sais pas quoi. Donc, lorsque il y a en plus, notamment des fréristes, hein, parce que je suis désolé, ils ont un discours, il est clair. Hein. Enfin, je vais dire, quand il y a des mecs qui te disent le projet, c'est le khilafa, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait. Il le dit, l'objectif, c'est le califat. L'objectif est énoncé de manière claire et transparente et de manière très simple. Il n'y a pas de complexité à comprendre le projet, pour le coup. Alors, Brian, on va laisser les autres un peu avoir la parole, après, tu peux reprendre. Je peux parler en premier, s'il te plaît, parce que je vais redescendre. Vas-y. Merci. Faut que j'aille m'occuper des petits après. Deux choses. D'abord, merci beaucoup à vous d'avoir organisé ça. Et si elle nous écoute encore, je souhaite remercier Florence, remercier son travail, lui dire que si dans le monde académique on n'a pas de soutien, dans la confrérie, vous avez tout notre soutien. Et peut-être qu'un jour, j'espère qu'on pourra collaborer sur des choses et qu'on pourra vous donner un soutien plus concret. Donc, encore une fois, je vous remercie et je reconnais votre courage et votre rigueur scientifique. C'est déjà ça. Donc, merci beaucoup pour votre travail. Deuxièmement, tu m'as fait beaucoup rire quand tu as dit « Ouais, il n'y a jamais d'écrit ». C'est vrai que, en vrai, tu cherches sur Internet le nombre de présentations enregistrées avec slide PowerPoint de prédicateurs musulmans. À mon avis, il y en a moins de 100. C'est vrai qu'ils fournissent pas beaucoup t'es gentil. Honnêtement, t'es gentil. 30 parce que, non, dans même toutes 30, les langues. Hein. Dans toutes les langues. Même 30, t'es gentil. Parce qu'en fait, avec Régulus, nous, en fait, on s'intéressait à la question du fait. Et la question... En fait, il faut comprendre un truc. Aussi, là, je donne une clé pour voir si une personne est un FM ou pas. En fait, les FM sont des gens politiques. Sont des gens qui veulent implémenter la charia. Mais la charia, elle a... C'est pas n'importe qui, en fait, qui peut être un moufti, émettre des lois, etc. Dans l'orthodoxie, déjà, normalement, tu dois pas ouvrir ta bouche parce que tu risques d'égarer des gens si t'es pas en capacité de donner ton avis. Chacun reste à sa place, en fait. C'est extrêmement simple. Maintenant, le truc par rapport à ce que tu dis, Ali Baba, nous, on a regardé sur Internet. Franchement, tu regardes, hein.
qui sont les gens qui parlent de au solo le faire, par exemple? Nous, on a vu, il y avait Brahmi, ok, merci, un gars qui était dans des histoires sombres, ok, on applaudit les deux mains. Merci pour les modèles qui nous apprennent le faire, c'est génial. Ensuite, il y avait qui? Des Anglais. On avait des vidéos où il y avait 10 vues Alibaba. 10 vues, mais je ne sais pas si oui, faut réaliser. Oui, en fait. 10 vues. Ça veut dire que c'est peut-être que des ex-musulmans qui ont regardé la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Il faut comprendre Alibaba. Je te donne un autre exemple, Alibaba. Tu prends Comprends ton dribble. Tu regardes ces vidéos les plus vues. Ah ben, je suis désolé. Dès que ce sont des sujets qui sont intéressants, pointus, ou justement Comprends ton dribble, je rentre dans des explications. Les vues, pas des 10 000. Oui, les 10 000 à comparer à plus de 500 000 quand ils parlent de est-ce qu'on peut se enlever les poils du cul. Tu vois le ridicule en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi, je disais à Florence tout à l'heure, je ne comprends pas comment en 30 ans, on n'a pas réussi en fait à établir un contre-discours. Je ne comprends pas en fait, c'est extrêmement simple. Je vais te dire en quoi c'est extrêmement simple, Alibaba. Lorsque, après, voilà, on va dire, oui, colonialisme, je ne sais pas quoi, bon, ok, très bien. Mais lorsque la France, elle a colonisé le Maghreb, en 10 ans, ils avaient déjà traduit les ouvrages de jurisprudence. En 10 ans, ils avaient déjà analysé le système, c'est quoi, comment, vous lisez hein, les ouvrages, là, ils ont étudié la doctrine malikite, tu te dis, voilà, les mecs, ils ont un système, c'est pas moral, c'est légal, ils avaient déjà compris le délire. Et là, on nous dit, oui, les orientalistes, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. Je ne comprends pas. C'est moi, je ne comprends pas, en fait. Il y a Alibaba, ensuite, je laisse les autres intervenir. Vas-y. Merci. Et un deuxième point qui m'a un peu inspiré, mais qui est un peu décalé, mais j'aime toujours ramener cet aspect décalé, qui est que parfois, on entend la critique sur ce qu'on dit. Nous, elle disait, nous, vous, ex-musulmans, vous comprenez parce que vous étiez dedans et vous voyez. Moi, ça m'a fait penser à un truc, c'est que en tant que musulman, quand vous entendez un ex-musulman combattre des trucs extrêmes, des trucs injustes, même si ça vient d'Allah, il faut comprendre quand même que dans votre point de vue, vous avez affaire à des apostats, c'est des gens qui ont accepté de sacrifier leur place au paradis et ils ont donné priorité au respect d'autrui et vivre ensemble. Est-ce que ça, ce n'est pas respectable? Est-ce que ça, ce n'est pas honorable? Réfléchissez un peu, est-ce qu'il y a plus grand sacrifice que de savoir qu'on peut aller au paradis et qu'on le sacrifie par respect d'autrui. Voilà, je voulais rajouter ça. Je laisse la parole aux autres. Merci encore à tous. Hein. De rien, Alibabal. Vas-y, Julien, après Rassoul. Bonjour, excusez-moi. Deux petites minutes. Bonjour, enfin, bonsoir. Vas-y, je t'en prie. Bah, c'était pour vous remercier pour ce truc. J'attendais avec impatience votre entretien avec Florence, que j'avais déjà... Ok, ben de rien, c'est normal. Sérieusement, j'ai passé une soirée intéressante, j'ai tout écouté. Après, si vous voulez inviter d'autres personnes qui connaissent bien le monde des frères musulmans, de l'islam politique, je vous invite à faire un entretien avec Gilles Kepel, parce que Gilles Kepel, déjà dans les années... 79-80, à la période de Sadat, il faut savoir qu'il a été faire un tour en Égypte. Et d'ailleurs, il explique dans sa biographie, mais il a écrit un bouquin sur le truc. Et des... Alors, je ne sais plus, le pharaon, et il faudra que vous regardiez, mais il y a un premier bouquin qu'il a écrit, c'est la période de Sadat, où il explique l'arrivée des Jamaat Islamiyya avec le bras droit de qui était un des partisans qui faisait partie, le bras droit de Ben Laden qui était son docteur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il explique tout ça quoi avec des frères musulmans en Égypte, parce que bon, tout ça vient de cette région là avec Saïd Roub, c'est tout ça, et honnêtement, à mon avis, si vous l'invitiez, vous auriez une très bonne discussion avec lui. Il s'appelle Gilles Kepel. Regardez, c'est quelqu'un qui intervient beaucoup et ça fait plus de 20 ans. En plus, il a écrit un bouquin qui s'appelle, qui explique il explique entre les années 70 et 95, si je me souviens bien, ce que j'avais commencé à le lire, sur l'islamisation des banlieues, quoi. Et c'est, en plus, c'est un arabisant, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui est parti en Égypte, qui a fait des études d'arabe, tout ça, et qui a vraiment étudié
la montée de l'islamisme, et il a fait différents bouquins, djihad, fitna. Alors djihad, si je me souviens bien, c'est il explique à partir de la révolution roméniste, et il parle de l'évolution des pays, comment ils sont comment certains pays sont devenus comment ils sont passés de régimes nationalistes à des régimes islamistes. Il fait référence à ce que disait Florence sur Mao Doudi, par exemple, au Pakistan, tout ça, les frères musulmans, le tablig. Moi, c'est des choses, c'est des notions que j'ai, tout ça, j'ai appris avec lui, parce que c'est quand il y a eu les événements de 2001, j'ai acheté ses bouquins. Son premier bouquin, je crois que c'était Jihad, si je me souviens bien. Il parlait de ça, de la transformation des sociétés musulmanes en sociétés islamistes, de la Malaisie en passant par l'Indonésie, la Turquie, l'Algérie, tout ça, l'Égypte, les banlieues en France aussi. Donc voilà, c'était juste un petit aparté que je voulais faire, et je me suis dit que ce serait intéressant que vous invitiez ce personnage, parce qu'il est très intéressant. Honnêtement, il a énormément de connaissances, et en plus, surtout, c'est un arabisant, quoi. Donc, tous ces termes qu'elle parlait, lui-même, voilà, vous voyez, l'expansion et déclin de l'islamisme, ça, c'est un bouquin que j'ai lu, quoi. Donc, je vous invite à l'inviter honnêtement, quoi. Écoute, merci beaucoup. On va, de toute façon, Gilles Kefel a préfacé le livre de Florence, donc on va ouais, essayer tout à... ouais, de le honnêtement, contacter. et je pense qu'à mon avis, vous savez, c'est quelqu'un d'ouvert, parce que je me souviens que cet auteur-là, il a fait des. Moi, je l'ai vu à une conférence sur YouTube au Maroc, hein, et son sujet de prédilection, ça a toujours été l'islamisme religieux, l'islamisme politique, hein. Donc, Oui, je veux bien dire, sûr. quand il a été au Maroc, il n'était pas là pour caresser le poil du roi, hein. Il parlait des frères musulmans, du frérisme, de la montée du radicalisme, du djihadisme, du salafisme et tout ça. Tout ça, c'est des notions que j'ai apprises avec lui entre djihad et fitna. Parce que djihad, c'est vraiment la construction des États islamiques avec la guerre civile en Algérie, l'arrivée de l'AKP en Turquie. L'islamisation de l'Indonésie, de la Malaisie. Il expliquait que, par exemple, moi j'ai appris ça avec lui, mais dans les années 70, dans les années 60, 50, c'était plutôt des sociétés nationalistes, des classes bourgeoises nationalistes. Et petit à petit, en faisant leur hadj, par exemple, à la Mecque, et petit à petit, ils se transformaient en islamistes. Et petit à petit, les femmes, elles revenaient, elles étaient voilées. Et c'est comme ça que l'islamisation de la société se faisait. Lui, il parle beaucoup des classes bourgeoises, comment elles se sont islamisées et tout ça. Il parle du principe de l'islamisation de la base avec les frères musulmans, parce que les frères musulmans, c'est le principe, c'est l'islamisation par la base, c'est-à-dire c'est de la base vers le haut. Il explique que le Pakistan, c'est plutôt l'élite qui va sur-islamiser la base. C'est-à-dire que ces élites, elles partent faire leur hadj, elles se retrouvent, tout d'un coup, elles se déclarent super, super musulmanes, et petit à petit, elles vont islamiser la population. Les frères musulmans en Égypte, ça a été plutôt l'inverse. Petit à petit, ça a été d'abord par des réseaux, des phénomènes de famille, des trucs comme ça. Petit à petit, après, ça a été les différentes strates de la hiérarchie du pouvoir et tout ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant, honnêtement, quoi. Si vous regardez, si vous lisez, vous verrez, c'est vraiment, ouais, moi j'ai énormément appris Oui. avec lui, quoi. Ben, écoute, merci pour d'avoir parlé de Gilles Kepel déjà, d'avoir énoncé quelques-uns de ses livres. Donc j'invite les auditeurs et les spectateurs à se diriger vers ses livres pour en apprendre plus sur ses travaux. On va tenter de l'inviter. S'il refuse, c'est pas grave, tu vois, c'est pas Bien parce sûr, que bien sûr, mais il est bien sûr. ouvert à la discussion qu'il doit accepter n'importe quelle invitation. Bien sûr. Et en tout cas, merci. Merci. Je vais laisser parler Rassoul parce qu'il attend depuis un moment. Merci D'accord, quand mais il même n'y a pas de pour ce problème. petit Bonne peu. soirée. Bonne Merci. Au soirée revoir. à toi. De rien. Au Merci. revoir, Au Gilles. revoir. Rassoul, vas-y. Bonsoir à tous. Merci du coup d'avoir fait tout ça. C'est la réponse qu'elle a donnée à la question. Que se passerait-il vraiment si le projet des frères musulmans était mis en place? J'ai pas eu une réponse. Je comprends pourquoi, mais il n'y a pas eu de réponse très très précise.
faut comprendre que les frères musulmans, c'est quelque chose d'extrêmement présent, que ce soit, bah, elle le démontre très bien, hein, que ce soit à la fois au niveau des structures religieuses, mais aussi dans les structures qui sont académiques. On a beaucoup d'enseignements musulmans en France, à l'étranger aussi, qui sont dirigés par les frères musulmans. C'est quelque chose qui se met en place, elle le démontre. Et bon, je ne peux pas dire des noms, mais c'est quelque chose qui se met de plus en plus en place. Et à votre avis, vous, quelles seraient vraiment les conséquences si on ne luttait pas contre ça? Si vous avez des idées. Ouais, Régulus, tu veux commencer? Ouais, je ne sais pas si Régulus est là. En tout cas, moi, pour te répondre... Oui, désolé. Ah, oui, vas-y, vas-y. Coupé. Non, non, justement, j'avais proposé d'enchaîner sur la question de Rassoul, justement. J'étais en train de t'interpeller. Mais j'avais mis... ouais, pas de suite. Mais moi, comme j'ai dit tout à l'heure, de toute façon, hein, l'objectif des FM, c'est le califat. Et qu'est-ce que le califat, si ce n'est ce qu'on a vu en Syrie? En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on a eu, en 2014, exactement ce que les FM... voulaient. Parce que qu'est-ce que les FM ils veulent? Ils veulent que la loi d'Allah soit la plus haute. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pas moi qui le dis. En fait, le problème. C'est Hassan el-Banna, c'est le fondateur des FM. Des FM le problème, vas-y, finis, après je vais rebondir sur ça. Je n'ai pas inspiré, là d'un coup je suis inspiré. Vas-y. Non, juste pour finir rapidement, c'est que en fait, il y a des acteurs. Des gens qui sont des acteurs clés. Ils ont un discours qui te disent on veut élever la voix d'Allah la plus haute. C'est leur objectif. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça implique? De qui ils se représentent ou de quoi ils se revendiquent? Les FM, toujours Hassan Banna, il te dit les quatre madhabs. Ok, très bien, les quatre madhabs. Qu'est-ce que le califat de Syrie, si ce n'est les quatre madhabs? Après, il y en a, ils vont nous dire, oui, bon, ils ont tué des innocents, je ne sais pas quoi, blablabla. Mais nous, on a vu avec Régulus que ce n'était pas une question de Khawarij ou je ne sais pas quoi, c'est dans le fiqh. On ne peut plus classique, en fait. Et comme, comment il s'appelle l'autre là, Islam ibn Ahmed, il a pris le livre là, Masa'il min fiqh al-Jihad. L'autre là, en Syrie, il écrivait la vie par rapport aux quatre écoles. Tout ce que Daesh, ils font par rapport aux quatre écoles. Alors, si par exemple, je sais pas moi, imaginons que le truc vraiment qui, on va dire, c'est pas des musulmans, je sais pas quoi, c'est par rapport aux pilotes jordaniens. Ok, très bien. Mais est-ce qu'on va disqualifier tout leur truc par rapport à un élément qu'ils ont fait et qu'ils ont pas fait genre en masse, hein, ils l'ont fait pour le spectaculaire. C'est-à-dire, même, allez, si on se base sur les finalités de l'islam, on va dire que dans une logique propagandiste, c'est charia compatible. On fait comment? Ah oui, dans une logique de terrorisme, parce que l'un des objectifs des attentats, par exemple, c'est quoi? C'est de terroriser les mécréants, c'est de semer la terreur, l'effroi, la peur profonde, la crainte, l'anxiété, l'angoisse dans le cœur des mécréants, afin de les battre et afin de leur faire ressentir justement la vengeance divine. Donc quelque part, ça suit les finalités de la charia, voilà, qui est celle de mettre la loi d'Allah au-dessus de tout et de faire peur aux mécréants avant tout. C'est que les mécréants ne sont pas censés se sentir en sécurité, ils sont censés justement être en angoisse, comme on le trouve à travers les versets coraniques, consiste à dire que quelqu'un qui se détourne du chemin de Dieu ne sera jamais véritablement dans la paix, dans la sérénité, etc. Voilà, tant qu'il ne se repent pas et qu'il ne revient pas vers Dieu. Donc cette notion de faire peur aux mécréants, c'est une des finalités justement de la charia, de la loi divine. Ah, tu ne respectes pas la loi, tu ne te soumets pas à Dieu, ben, tu ne vas pas vivre dans la sérénité, tu ne vas pas vivre dans la contemplation et dans le calme. Au contraire. Donc voilà, tu as raison. Même si ça sort, on va dire, du cadre purement orthodoxe de celui, oui, il ne faut pas brûler, parce que selon un avis d'Ibn Abbas, le fait de brûler, c'est un châtiment divin uniquement, et en tant qu'être humain, on ne peut pas se permettre de punir par le feu. Techniquement parlant, si on prend un autre axe exégétique, herméneutique ou juridique, on peut même justifier le fait de brûler.
parce que ça répond à des impératifs et à des objectifs et à des finalités. Et juste pour finir, pour venir plutôt, justement, je vais articuler par rapport au propos de Ruyen, moi je pense que les conséquences d'un califat sont beaucoup plus désastreux que ce qu'on pourrait croire. Et je réponds en disant ça par rapport à ceux qui diraient, oui, mais vous, les ex-musulmans, quand vous parlez d'islam, vous imaginez toujours un islam destructeur, un islam où on détruit les statues, les temples, les architectures non islamiques. On brûle des manuscrits qui renvoient à des croyances donc non islamiques, donc des manuscrits philosophiques, des manuscrits qui parlent de sciences interdites, hein, n'est-ce pas, la chimie et tout, Ibn Taymiyyah avait référence, des manuscrits qui parlent de poèmes qui ne font pas la gloire de l'islam, etc., ou qui font la promotion de l'humanisme ou du christianisme. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, donc on nous taxe d'être nous-mêmes des obscurantistes quelque part, parce que justement on veut mettre l'accent uniquement sur les dégâts que peut apporter une dynastie, un royaume, un État islamique, et on fait pas assez justement la lumière sur l'âge dit d'or de l'islam. Le problème, c'est que moi je veux bien vraiment, je me dis. Parmi toutes les probabilités, les outcomes, tu vois, ce qui peut ressortir de l'établissement d'un État islamique, ça soit une sorte de renaissance culturelle, philosophique, intellectuelle, gigantesque, qui même révolutionnerait l'humanité d'un point de vue donc astronomique. Ce serait littéralement comparable à ce qu'on a pu faire en allant sur la Lune, à ce qu'on a pu faire grâce à Internet ou grâce à la vaccination ou grâce à d'autres donc avancées scientifiques gigantesques, ou comme la révolution industrielle au 19e siècle. Le problème, c'est quoi? C'est que l'islam, de manière civilisationnelle, de manière politique, n'a jamais su rester performant, n'a jamais su rester dans le positif, dans l'apport positif pendant très longtemps. Il y a eu des périodes, bien sûr qu'il y a eu des périodes de développement, et je dis pas le contraire, des périodes magnifiques, magnifiques, où il y avait des traductions d'ouvrages grecs, des périodes où on travaillait sur les maths, des périodes où on travaillait sur l'astronomie, des périodes où il y avait des débats, comme comme à l'époque de la Maison de la Sagesse, sous Al-Ma'mun, sous Al-Watir, sous les califs Mu'tazilites. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Une récurrence historique, une récurrence quasi anthropologique. C'est qu'à chaque fois que l'islam s'éloigne, comme a dit Ruyen tout à l'heure avec Florence, de l'orthodoxie, il y a un retour brutal à l'orthodoxie. À chaque fois qu'on va vers l'hétérodoxie, qui permet justement un âge d'or, qui permet justement l'établissement de quelque chose de fantastique en termes donc sociétal, en termes même économiques, politiques, voilà. Donc développement des arts, développement de la culture, développement de la danse, donc du chant, de l'art figuratif, de la sculpture, tout de suite c'est rattrapé par un retour au texte littéral, intégriste et donc orthodoxe, tout simplement, et traditionnel. C'est qu'on ne peut pas échapper à la nature, à l'ADN de l'islam. L'ADN de l'islam ne te t'empêche, de manière essentielle, de manière fondamentale, de pouvoir te développer en dehors de celui-ci. Il te dit le cadre, c'est celui-là, tu sors du cadre, le cadre te rattrape. Voilà. Te rattrape à travers qui? À travers ceux qui étudient les ouvrages de référence. Ibn Hanbal, il te laissera jamais, par exemple, développer un état mu'tazilite. Ibn Taymiyyah, il te laissera jamais tolérer les chrétiens et le blasphème. Abd al-Wahhab, il te laissera jamais, par exemple, vénérer les tombes, avoir le musée du Louvre. Si, par exemple, Abd al-Wahhab était encore vivant de nos jours, Ben Salman n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait, avec tout ce qu'il est en train de tolérer, par rapport à Halloween, par rapport au fait d'ouvrir des musées, par rapport aux femmes à l'université, par rapport à plein de choses. Il n'aurait jamais laissé faire. Et vous savez, en islam, il y a un terme. Mujaddid ad-Din, donc c'est les rénovateurs, ceux qui ressuscitent un peu l'essence de la religion. D'ailleurs, Razali est vu comme un Mujaddid pour certains, Ibn Taymiyyah est vu comme un Mujaddid, et plein de savants musulmans sont vus comme tels. Les Mujaddid, c'est quoi? C'est des gens qui, leur rôle, c'est de faire chier, en gros, enfin, désolé d'être un peu trivial et vulgaire, mais c'est en gros de dire, vous n'êtes pas assez proche des textes, vous êtes pas juste assez proche, vous êtes
complètement perdu par rapport au texte. Vous êtes tellement éloigné que vous êtes sur le bord de l'apostasie et de l'hérésie et de la mécréance de manière générale. Heureusement qu'on est là pour tout rattraper. Et il y a une résurgence de l'orthodoxie, du fanatisme et du retour aux sources. À chaque apogée, moi je dirais, civilisationnelle musulmane, à chaque fois que ça veut dire que les musulmans allaient dans la bonne voie, tout de suite, l'islam, quelque part, reprenait de son élan répressif, de son élan destructeur, parce que l'ADN islamique, pour moi, n'est pas un ADN donc constructeur, est un ADN destructeur, parce que l'islam a été fondé en opposition à qui ? Aux polythéistes, en opposition aux chrétiens, en opposition aux juifs. Donc, à la base, l'ADN ne propose pas un projet. Il propose d'abord de détruire des civilisations avant de proposer d'en construire une. C'est toujours comme ça qu'il faut le voir. Voilà. Et en plus, le bonheur ultime d'un musulman n'est pas celui de créer un royaume terrestre, mais celui de lui donner un royaume céleste. Donc, même en termes civilisationnels, l'islam n'a pas pour vocation à faire prospérer, à faire évoluer la société islamique, manière technologique, manière intellectuelle, etc. Le but, c'est vraiment spiritualité, gain, bien sûr, évidemment, matériel pour les hommes de pouvoir, et ensuite, le reste, vous verrez ça quand vous mourrez. De toute façon, le paradis est là pour ça. Voilà, c'est tout. J'ai beaucoup parlé, mais il fallait le dire. Juste peut-être pour compléter un truc, Régulus, que tu avais dit, moi, je pense que l'orthodoxie, elle est essentiellement basée sur un dogme qui est puissant, qui est central, fondamental, tout ce que tu veux, c'est El-Wala ou El-Bara, en fait. Et bien d'ailleurs, tu te rappelles le Régulus, ce qu'on s'est dit, les FM, souvent, qu'est-ce qu'ils font ? Déjà, pour reconnaître un FM aussi, une autre approche, c'est que les mecs, ils se définissent jamais. Ils se définissent jamais. Il va jamais te dire, moi, c'est ça, mes croyances. Il va toujours s'identifier en opposition à quelqu'un, en opposition à un mouvement. Toujours le El-Wala ou El-Bara. Il y en a qui le font avec un haut niveau de rhétorique, etc., tout ce que tu veux, laisse pas transparaître trop leurs idées. Mais malgré ça, dans tous les cas, comme les FM, ils sont obligés de danser à tous les niveaux, au bout d'un moment, ils sont incohérents. D'ailleurs, il y en a même un FM, qu'est-ce qu'il avait dit ? C'est difficile d'avoir le cul entre des chaises pendant des années. Donc, tu vois, donc c'est ça le truc en fait. C'est justement ce cul entre deux chaises. Le fait de vouloir, comme elle a dit Florence, de vouloir réunifier des mouvements qui s'opposent. Parce que je suis désolé, comme on l'avait dit aussi avec Régulus, les madhab. En fait, le problème c'est que Régulus, on n'a pas dit un truc en fait. C'est que pourquoi l'orthodoxie, elle accepte les quatre madhabs malgré le fait que, en vrai, on a vu que nous, il y avait des contradictions, tu vois, dans la pratique, en fait. Pourquoi ils acceptent que, voilà, il y a ces quatre madhabs qui globalement, vas-y, si t'en choisis un, ça va, t'es dans la vérité. Allô, oui. Oui, Régulus. Qu'est-ce qui fait que... Oui. Qu'est-ce qui fait que, malgré que les madhabis soient contradictoires, eh bien, le sunnisme les accepte quand même ? Justement, c'est ce qu'a expliqué Florence quand même. C'est tout à l'heure, par rapport à la fitna, il faut éviter la fitna. Donc, même s'il y a beaucoup de contradictions, on fait semblant d'être tous unis. Pour faire part du commun. Il y a une autre construction théologique, en fait, mec. C'est laquelle ? C'est le fait que, regarde, en fait, tout ça, c'est basé sur quoi ? Sur le fait que, à la base, qui fait la loi ? Ce sont les mujtahidoun. Mais c'est quel type de mujtahid ? Le mujtahid mutlaq, on est d'accord ? Voilà, tout à fait. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? Les quatre mecs, ils ont donné des méthodologies différentes. Mais qu'est-ce qui permet, d'unifier toute cette merde ? C'est le consensus. Donc, les mecs, ils vont se mettre d'accord globalement sur des généralités,
Après, le mode d'application, le faire, comment c'est appliqué dans le réel, il y a de la souplesse, ça dépend des outils. Mais la vérité en elle-même, par exemple, qu'il faille tuer l'aposta ou qu'il faille tuer les Indala ou qu'il faille tuer. Bon, d'accord, globalement. Ils vont être complètement d'accord. Ça répond à une finalité vraiment pour le titre, comme tu as dit, consensuel. Il y a une finalité à dire que celui qui va contre le système, il faut le tuer ou faut en tout cas l'arrêter, le neutraliser. Après, qu'importe les moyens, qu'importe les conditions, ça c'est autre chose. Et donc, du coup, pourquoi les musulmans ils acceptent le fait qu'il y ait quatre madhhabs? C'est parce que, quand même, il y a le consensus qui vient rattraper tout ça. Il y a le fameux pseudo-consensus. Et le pseudo-consensus, évidemment, on est au courant qu'il n'y en a pas vraiment, mais en tout cas, c'est le prétendu consensus défendu par les savants sunnites. Et bien sûr, tu te souviens, évidemment, le hadith qu'on nous reçoit, le hadith qui n'a pas d'isnad, le hadith qui n'a pas de chaîne de Oui, transmission. ma communauté ne s'égarera pas Voilà, non, sur une erreur. Voilà, c'est ça, ne se réunira pas sur une erreur. Voilà. Et le deuxième hadith, c'est quoi? C'est la divergence est une miséricorde. Voilà. Et il y en a d'autres aussi. Il y a aussi les savants sont les héritiers des prophètes. Voilà, aussi. Ajoute à ça aussi le fameux. Je ne sais pas si c'est un hadith. Sur les trois premières générations. Voilà, il y aura trois premières générations. Il y a aussi un autre hadith, c'est. Si le mujtahid mutlaq, il fait une erreur, il a une hasana. S'il se trompe pas, il en a deux. C'est ça. S'il se trompe pas, il en a deux. De toute façon, il est gagnant-gagnant. Qu'il fasse une erreur ou pas, le mujtahid, donc celui qui fait l'effort d'interprétation, le savant fait l'effort d'interprétation pour en émettant une fatwa, par exemple, donc un avis juridique sur un sujet donné, de par cet effort-là, il est de toute façon récompensé. Il a un bon point paradisiaque, une hasana, voilà, un bon point. Et si son avis est bon et correct, il a deux points, voilà, qui se rajoutent à son score match. Sinon, oui, voilà, concrètement, pour suivre sur ce que dit Ruben, les frères musulmans sont en ce moment, et depuis leur début, axés sur cette notion de, il faut revenir aux fondamentaux, mais ils sont pas dans, non, enfin, comment dire, ils ont su évoluer pour ne pas tomber dans les erreurs des salafis, Matrali, Wahhabi, Takfiri, Hadadi et autres courants du salafisme, en tout cas saoudien. Donc les, on va dire que les salafis fréristes, les salafis irwani, on va les appeler comme ça. Donc les salafis irwani, eux, pour le coup, que ce soit des Égyptiens, des Qataris ou d'autres pays, ou Palestiniens ou autres, eux se sont dit quoi? Ils se sont dit, si on fait le takfir, voilà, si on focalise, en gros, si on met en avant le principe d'excommunication, si on le met trop, parce que faut être honnête, en islam, se conjugue et s'oppose et se met quelque part en concurrence différents principes. Il y a le principe qu'a énoncé Ruhen antérieurement, c'est celui de l'Ouala ou le Bara, de l'alliance et des aveux. C'est important qu'en tant que musulman, on pointe qui ne l'est pas musulman, qui est un innovateur, qui est un égaré et qui suit le bon chemin, qui fait partie du bon minhaj, qui fait partie du bon courant, qui fait partie de la bonne voie, etc. Il y a aussi le fait de toujours rappeler les péchés aux musulmans, de dire que tu es dans le péché, ça fait partie de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, donc ordonner le convenable et condamner le blâmable. Et il y a un autre principe qui s'oppose à ça, c'est le fait que les musulmans doivent respecter l'honneur du musulman. Donc, ils doivent éviter justement de trop le, voilà, le martyriser devant tout le monde. Il y a aussi un deuxième principe qui s'oppose aux deux autres, celui de dire qu'il ne faut pas faire de fitna, donc de discorde, de division, de chiisme quelque part, voilà, entre musulmans. Donc tous ces principes se mettent en concurrence, en vérité, et se mettent en avant ou en arrière, en fonction des besoins du moment. Alors que les quiétistes vont dire, nous, on mise en fonction du contexte aussi. Hein. Et du moment, donc du contexte dans lequel ils se trouvent. Les fréristes, eux, ils vont miser sur les deuxièmes principes, les secondaires, ceux qui disent qu'il faut pas toucher à l'honneur du musulman, il faut privilégier l'ihwa, donc la fraternité, etc. C'est comme Ousmane Timiara, comme d'autres qui vont parler d'un discours de fraternité à chaque fois, quitte à inviter des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Voilà.
Et d'autres, par exemple, vont être plus axés sur les premiers principes que je vous ai donnés. C'est ceux de dire non, nous, on est prêt à se diviser parce que ce qui compte, c'est pas l'unité, c'est la vérité. Voilà. En fait, c'est une guerre entre ceux qui souhaitent l'unité avant tout et ceux qui souhaitent la vérité avant tout. En tout cas, ce qu'ils pensent être la vérité. Ça, on aurait pu en parler avec Florence, mais vu le temps, on ne pouvait pas non plus aborder tous les sujets. Mais ça, c'est un point central, en tout cas de notre discours à nous. Vas-y, mais... Moi, j'aurais une question par rapport à tout ça là, surtout par rapport à ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas trop en fait tout ce qui est frères musulmans. Imaginons donc que j'ai quelqu'un qui se convertit à l'islam, que j'ai que par exemple mon enfant, imaginons. Et à partir de quel moment, à partir de quel stade, moi je peux m'inquiéter de dans quelle école il est, si je décide par exemple de le mettre dans une école privée musulmane, par exemple. Et à quel moment je peux m'inquiéter de savoir s'il rentre dans dans une école qui fait partie d'un réseau? Quels seraient les signes? Quels seraient les signes de la radicalisation d'un jeune homme, En fait, les deux, j'ai d'une posé jeune cette question, femme? on peut faire les deux en même temps, quoi. Mais ouais, voilà. Bah, Ça, à ma, la fois de celui ma... qui est dans cette école, mais aussi pour savoir s'il rentre pas dans un réseau qui est bizarre et. En fait, après, ça dépend, parce que si tu parles d'un réseau, déjà, il y a deux types de réseaux, il y a le réseau physique et le réseau virtuel. C'est-à-dire qu'il y a des groupes maintenant de prédication de salafis sur Facebook, sur Telegram, sur même Twitter, etc. Donc peut-être qu'il s'est fait, ou elle s'est fait enrôler par des groupes donc, qui sont dans le virtuel, même à travers TikTok maintenant d'ailleurs. Maintenant, il y a le physique. Il y a le physique, c'est-à-dire qu'à travers les associations sportives, à l'école, ou des colonies de vacances, que sais-je. Donc, il y a différents vecteurs voilà, de pénétration ou d'entrisme, donc, salafiste, en Europe, en Occident en général. En tout cas, là où ils visent la conversion des jeunes. Forcément, ils vont pas aller chercher dans les universités, puisqu'ils sont, eux, ils visent justement les jeunes de moins de 16 ans, moins de 15 ans, donc les plus influençables. Et ce que je pense, c'est que les premiers signes sur lesquels les parents doivent faire attention, le premier signe, c'est le langage. C'est le langage, parce que tout, moi pour moi, les réseaux salafistes sont des réseaux dits sectaires, donc adoptent toute la panoplie d'une secte. La pointe du sexe, c'est quoi? C'est on ne traîne qu'avec les gens de la secte. On parle de, on voit le monde de manière binaire. Ceux qui ne font pas partie de la secte sont des gens mauvais, sont des gens perdus. Ceux qui font partie de la secte sont des gens bienveillants, sont des gens guidés, etc., etc. Il y a tout un langage qui se formalise. Il y a toute une éthique nouvelle qui apparaît. Si d'un coup, il y a une série d'actes qui se poursuit, qui se succèdent plutôt. Convergent vers quelque chose de bien ou quelque chose de mal, par exemple, je me lève tôt, c'est quelque chose de bien moralement, parce que je dois faire la prière. Je me lave les mains de telle manière, pas pour voilà répondre à un besoin d'hygiène, dit religieux ou idéologique, parce que donc là, ça ne répond plus à un besoin purement utilitaire, par exemple, se laver les mains pour être en bonne santé, parce que pour éviter d'accumuler les bactéries, la saleté au niveau du corps. Non, c'est je me lave parce que je dois répondre à un impératif sectaire, religieux et idéologique. Donc là, à partir de ce moment-là, il y a un turnover, tu vois, il y a un shift point. Donc il y a une sorte de transformation qui est en train de s'opérer et il faut dès le début commencer à cerner tout ça. Et de toute façon, il y a rien de, il y a personne de mieux placé qu'un parent pour savoir quand son enfant change. Parce que le parent, c'est quand même l'être ou la personne la plus proche de l'enfant. Donc, elle peut cerner ses habitudes et voir justement ses comportements inhabituels. Ou, voilà. Et il faut faire attention aux habits. C'est un tout, tu vois. Il faut commencer à voir tout ce qui est inhabituel et où est-ce que ça va. Et aussi, les lectures, je sais pas, les vidéos, voilà, faut. Franchement, il y a plein de moyens de prévenir la radicalisation. Et pour moi, la première chose pour prévenir la radicalisation, c'est contrôler l'environnement, contrôler l'environnement d'enfant. Faire attention à qui il parle, où elle parle, etc. Et l'une des raisons de pourquoi est-ce que les jeunes se radicalisent, c'est l'idéal, c'est la quête d'un idéal.
la quête aussi d'une rigueur disciplinaire. C'est-à-dire que s'ils ne trouvent pas cette notion d'autodiscipline à travers l'éducation des parents, au travers la société qui les entoure, ben ils essaieront de la trouver dans une idéologie. Voilà. Le fait ça peut être des fois par jeu. Des fois par jeu, voilà. C'est un jeu, je dois me lever à telle heure. Je sais pas si vous êtes tombé sur, il y avait un jeu malsain qui venait de Russie. Chaque jour, il fallait faire quelque chose, une sorte de défi. Et à la fin, le dernier défi, c'était le suicide. J'ai oublié comment ça s'appelait. Faudrait que je recherche. Comme pour ceux qui sauraient pas, le jeu, il s'appelle La Baleine quelque chose. C'est vraiment un jeu malsain auquel jouaient les enfants. Je pense que c'est un jeu qui venait de Russie, qui se transmettait par les réseaux sociaux. Je vais le chercher. Pour ceux qui sauraient, voilà, le Blue Whale Challenge. C'est Blue Whale Challenge. Donc, c'est un des défis de la baleine bleue. Ça, c'est un jeu médiatisé en Russie en 2016. Peut-être apparu en 2015, je suis en train de lire. Donc, l'origine du jeu, donc, reste ici à déterminer. Et le principe du Blue Whale Challenge tire son nom de nombreuses observations d'échouages de baleines sur les plages qui font dire à certains que ces cétacés se suicident. Donc, le Blue Whale Challenge, c'est une série de 50 défis qui sont proposés aux joueurs par un tuteur qu'il est censé avoir contacté en ligne au préalable. Ça me rappelle un peu le recrutement en salafiste. Le joueur doit ensuite poster une photo ou une vidéo prouvant l'accomplissement de la tâche accomplie. Donc voilà, par exemple, la personne l'endoctrine, elle lui dit voilà, le paradis, l'islam, l'idéal, le momo, il est bon et tout. Maintenant, tu dois faire la salade. Ça, c'est le premier défi. Au début, il va dire, t'es pas obligé de faire les 5 directs. Fais une seule déjà par jour, c'est déjà beaucoup. Ensuite, fais-en 2 par jour. Ensuite, fais-en 3 par jour. Ensuite, fais-en 4 par jour. Ensuite, fais-en 5 par jour. Et c'est comme un jeu. Au début, ça te plaît. T'es en train de progresser, t'es en train de monter en termes de stade de piété. Donc, c'est comme les enfants qui jouent aux jeux vidéo, qui sont en train de monter en niveau d'expérience par rapport à ce jeu. Faut aussi prendre l'aspect psychologique de la conversion dite ludique. Il y a un aspect ludique à l'islam. Tous les jours, tu apprends un hadith, à la con. Oui, alors, t'as un hadith du prophète qui dit que manger de l'ail, c'est pas bien. Voilà. Donc, voilà, faut comprendre qu'il y a vraiment un aspect très, très, très jeu derrière. Faut être honnête. Un aspect relever le défi. Donc, là, je vais continuer juste de lire ce qui s'est passé. Il est censé avoir contacté en ligne au préalable. Donc, le joueur doit poster une photo, une vidéo, prouvant l'accomplissement de la tâche accomplie. Or, si certains défis paraissent inoffensifs ou anodins, comme dessiner une baleine sur une feuille ou écouter une musique triste en pleine nuit, d'autres sont beaucoup plus préoccupants. Ainsi, certains défis appelleraient à se frapper ou à se scarifier. Et le dernier défi consisterait à se susciter. Bah, moi, ça me rappelle un peu l'endoctrinement dans des réseaux djihadistes salafistes. Au début, il y a la phase salafie. Donc, on commence à dire aux jeunes ou à la jeune fille, aux jeunes hommes, aux jeunes filles, commence par faire telle salette. Commence par porter tel habit. Commence par te laver de telle manière pour les ablutions. Commence à dormir de telle manière. Parce que vous savez qu'en islam, on ne peut pas dormir n'importe comment. Commence par, voilà, dire, parler, utiliser tel langage, le salam, etc. Alhamdoulilah, subhanallah, voilà, les ponctuations là, islamiques. Voilà, petit à petit, la personne s'embarque dans un monde complètement nouveau pour elle et qui est fascinant. C'est comme, il y a aussi les jeux de roleplay, je ne sais pas si vous connaissez, par exemple dans la vraie vie, t'as des gens qui se réunissent, ils se déguisent ou ils s'habillent avec les costumes de leurs personnages de jeux vidéo ou de séries télé préférées. Ils se retrouvent dans un coin, je sais pas, dans une maison abandonnée ou dans une forêt ou dans un lieu dédié pour ça. Et ils commencent à rejouer les scènes de leurs jeux vidéo préférés, de leurs séries préférées, de leurs films préférés. Voilà, une sorte de reconstitution, comme les reconstitutions historiques, par exemple. Aux États-Unis, je sais qu'ils en font beaucoup. Je ne sais pas si c'est le cas en France. Eh bien, voilà, pour moi, l'islam, c'est la même chose. On se cosplaye en arabe du 7e siècle. Oui, je m'habille en kamis, oui, je m'habille en abaya, comme Aïcha, la femme du prophète du 7e siècle. Comme Saouda, comme Hafsa, voilà, on s'habille comme les femmes du 7e siècle, etc. Pour comprendre aussi, il y a aussi l'aspect binaire, oui, les musulmans, les gentils contre les méchants mécréants polythéistes.
qui faisait mal au prophète, qui faisait le boycott de son commerce, qui faisait de l'esclavage, qui enterrait des filles vivantes. Faut comprendre l'imaginaire, le besoin de justice des jeunes. Parce que comment est-ce que les prédicateurs présentent Mohammed comme un justicier, comme un Zorro? Bon, moi je parle de Zorro parce que Zorro c'était mon époque. Mais voilà, comme un Batman, comme un, vous pouvez prendre n'importe quelle référence, comme un Robin des Bois, comme un Cartouche, une sorte de bandit des grands chemins qui ferait justice contre, on va dire, l'élite oligarchique, aristocratique, arabe de son époque. Voilà. Faut comprendre toute cette dimension. Franchement, je pense que beaucoup de gens n'arrivent pas à la saisir. J'ai beaucoup parlé. Alors. Rassoul, oui. Ouais, moi j'aurais encore une autre question. Moi je pose ces questions pour des personnes qui sont dans le chat là. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un lien entre le salafisme et les frères musulmans? Peut-être un degré d'intelligence et d'application entre les deux ou quelque chose comme ça? Oulala. On va dire que le salafisme, comme a dit Florence, c'est un retour à l'orthodoxie. Voilà, c'est une démarche de retour à l'orthodoxie. En vérité, tout le monde se revendique dit les salafs. Les salafs, c'est les anciens pieux, donc les compagnons du prophète, par exemple, le prophète lui-même, les disciples de ces compagnons-là et les disciples des disciples de ces compagnons-là. Donc, en général, c'est à eux qu'on se réfère quand on parle des salafs. C'est les anciens, quoi. Les prédécesseurs qui nous ont précédés. Et en soi, beaucoup de sectes, courants, tendances, donc de diverses régions du monde qui sont nées à diverses époques aussi, qui ont émergé à diverses époques, se revendiquent d'une forme de salafisme. Maintenant, la différence entre ce que je pense que tu fais référence au salafisme dit quiétiste qu'on a chez nous, voilà, donc c'est ceux qui se distinguent de par une apparence islamique très ostentatoire, très exacerbée, très visible. Comme le camis, la marque sur le front, la grosse barbe sans moustache, non, mal taillé, pas taillé, même pas mal taillé, pas taillé du tout, voilà. Donc, avec les pantalons rentrés dans les chaussettes, etc., etc. Ces gens-là qui se revendiquent, donc, juste salafiyoun, voilà, des gens du minhaj, ou en tout cas de la tendance de la voie salafie, sont eux-mêmes fragmentés en plusieurs sectes ou tendances. Comme je l'ai dit, il y a les matralis, les haddadis, les wahhabis, les takfiris, ceux qui excommunient tout le monde, les roulettes, le takfir. Donc les exagérateurs dans le takfir, eux vraiment, ils ont atteint le stade ultime de ce qu'on peut proposer en termes d'excommunication, mais il reste toujours des sunnites. C'est ça, ils ne sont pas des kharidites, contrairement à ce qu'on peut croire. Ce n'est pas littéralement une branche. Il y en est toujours dans le courant salafiste. Bon, juste Oui. peut-être, je pense que là, pour le coup, je pense que en fait, cette mauvaise compréhension, justement, elle est peut-être liée, pour le coup, au travail de ce qu'on pourrait dire les orientalistes. Là, pour le coup, c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu sais, Et d'un j'ajoute les côté. fréristes. Les fréristes sont aussi des salafistes. Je vais compléter Oui. par ça, bien sûr. Ouais. Parce que, en fait, juste pour rebondir en même temps à la question de Rassoul, moi je pense que c'est extrêmement dangereux de poser la question en termes d'intelligence parce que déjà, le Oui, terrain a tu as montré raison. le contraire en fait. Parce qu'en fait, là, en fait, on parle d'une idéologie. Une idéologie, elle peut toucher tout le monde, le riche, le pauvre, l'intelligent comme le non-intelligent, le cultivé comme celui qui n'a aucune culture, le civilisé comme le non-civilisé, ça touche tout le monde en fait. Ça touche les enfants, ça touche les vieux. Il y avait des gens qui ont rejoint Daesh, c'était des vieux. Il y avait des ados, il y avait des femmes, il y avait de tout. Oui, Il y non, mais avait je de parle tout. dans l'approche, pas dans Mais ce qui est. même dans l'approche, en fait, moi, je pense que c'est plus une question de. Comment dire? En fait, bien sûr, on va dire qu'il y a une idéologie qui est facile, un peu comme le wahhabisme, etc. Parce qu'en fait, plutôt, je vais l'aborder comme ça. En fait, dans la charia, il y a quatre niveaux. Et le premier niveau, c'est le niveau apparent. Et en fait, ce niveau apparent, c'est le niveau que le musulman lambda, il est censé avoir.
En fait, il est là le problème. Et après, le problème, c'est dans l'approche et dans l'application et dans la vision des choses, en fait, si je puis dire. Par exemple, un FM, il est obligé de considérer le long terme, la stratégie, la ruse. Le mec, il est dans une autre logique. Là où le salafi, lui, il va plus, ce qu'on appelle salafi, wahhabi, appelez tout ce que vous voulez, mais fondamentaliste, etc. Ces gens-là, ils vont être plus, comme on l'a dit tout à l'heure, accrochés aux dogmes comme al-wala wal-bara. Ils vont être accrochés aussi à l'ambiance. Les gens qui sont très attachés à l'ambiance, il faut laisser pousser la barbe, je ne sais pas quoi. Parce que l'islam aussi, il faut être honnête, a besoin de représentation. C'est-à-dire que peut-être que les FM, ils sont peut-être un peu plus dans l'abstrait, ok. Peut-être des gens qui sont capables d'abstraction, de vision long-termiste, ok. Mais dans tous les cas, tu peux être un FM sans être le plus intelligent de la classe. Parce que c'est une question de béa, en fait. Après, bien sûr, de toute façon, au sein de la confrérie, tu as des stades. Voilà, le mec qui a une capacité de mémoire, etc., le moufti, c'est pas celui qui va combattre. Chacun a sa place, en fait. Et moi, je pense qu'on a trop associé le salafisme à des gens qui n'ont pas le niveau et qui vont aller faire le jihad facilement. Et moi, je trouve que l'approche, elle est un peu trop simpliste, un peu trop facile. Donc après, Régul, je ne sais pas si tu veux rebondir. Non, c'est ça, globalement. Et pour moi, ce n'est pas sur le plan de l'intelligence que ça doit jouer. Après, en fait, on peut se dire de prime abord qu'un salafiste n'est pas intelligent de manière... parce qu'après, il faut établir ce qu'on définit par intelligent. Un peu subjectif, dans le sens où le salafiste ne va pas, voilà, en tout cas dans son discours, être... très érudit, il ne va pas avoir un discours d'érudit, il ne va pas avoir un discours académique, il ne va pas avoir un discours universitaire, il ne va pas tenter de mélanger science et religion, par exemple. Donc on peut lui reprocher un manque de formalisme, voilà, dit scientifique ou érudit, ou salafi dit quiétiste, bien sûr, je précise, je parle des quiétistes, wahhabi, hadadi, etc. Donc il y a vraiment une sorte d'obsession uniquement portée sur la religion, et tout ce qui serait en dehors ne serait pas ni pertinente ni utile pour le prêche prosélyte. Contrairement au FM, donc aux frères musulmans qui sont aussi salafistes, mais donc du coup qui ont adopté une autre méthode, celle, comme je vous ai dit, du consensus, de l'alliance à tout prix avec tout le monde, de l'unité, qui eux utilisent tous les moyens possibles pour se renforcer, s'étendre et dominer et entrer justement dans toutes les failles des institutions républicaines ou juste occidentales en général, et sont prêts pour cela à avoir un discours très polissé, philosophique, scientifique, etc., etc. Voilà, humaniste, et les gens passent très idéologiquement portés sur des valeurs occidentales contemporaines, comme la convergence des luttes, avec l'entraide intersectionnelle entre les féministes, donc mondialistes, et par exemple les militants et activistes LGBT, notamment. Donc, en fait, c'est une différence d'approche, parce que, comme l'a dit Ruel, moi, personnellement, je connais des ingénieurs, des chercheurs, des gens très, très, en tout cas, érudits dans leur domaine, très, très compétents dans leur domaine, des experts même, qui sont salafis. Donc, pour moi, c'est vrai que, on va dire que le salafisme est une dit quiétiste, on revient dessus, bien sûr, est une doctrine facile d'accès, très facile d'accès, parce qu'elle ne demande pas non plus un grand savoir pour y rentrer. Alors que FM, lui, quand il va te... En tout cas, quand on parle de confrérie, c'est pas n'importe qui peut adhérer à la confrérie. Voilà, il y a une sélection à plusieurs étages, à plusieurs niveaux. Et le discours FM qui en général utilise l'acharisme aussi pour l'acharisme qui est un courant ou une tendance dogmatique musulmane qui a été très portée sur la philosophie notamment pour définir les
différents dogmes ou différentes propositions théologiques, axiomatiques théologiques liées à Dieu. Pour le coup, pour comprendre ces dernières, il faut avoir un certain bagage quand même, un très gros bagage même. On approfondit le terrain du savoir islamique. C'est pour ça que on peut dire clairement qu'il y a un salafisme fait pour les, on va dire, pour les gens qui n'ont pas non plus le profil universitaire, académique, etc. Et il y a un salafisme fait pour les autres qui a un profil plus intellectuel, plus analytique, plus rationnel plutôt, et un autre, allez, on va dire plus émotionnel, plus porté sur la persuasion que la conviction. Voilà. Un plus logos, un plus pathos. Voilà. On va dire que le salafisme qui est dit, c'est plus pathos, le salafisme, on va dire frériste, c'est plus logos. Si on veut, c'est séparé comme ça, moi je dirais. Mais à la fin, ils s'imbriquent les uns dans les autres, ils se rejoignent en finalité, en Occident en tout cas. Voilà. Bah parfait, j'ai eu les réponses, merci. De rien. Ruyen, tu veux dire, parce que moi je suis un peu fatigué quand même, donc Ruyen, un dernier truc et après on ferme la lycée. Moi, un dernier mot. Moi, juste, je voulais juste rebondir par rapport à ce que Rassoul a dit par rapport à Mohamed Luizi. Non, en fait, c'est pas faux, ex-frère musulman. La raison aussi, c'est que, comme Florence, elle a expliqué un truc, mais je pense que ça m'a juste. Qu'on y revienne juste un tout petit peu dessus, c'est qu'elle a dit qu'il y a des gens qui ne sont pas fréristes, mais qui travaillent pour les fréristes, effectivement. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que nous, quand on dit, voilà, un tel est. Bon, déjà, de un, on ne peut même pas se prononcer en réalité un tel est FMFM en lui-même. Parce que l'adhésion elle-même, elle implique une allégeance. Moi, est-ce que j'y étais pour savoir est-ce qu'il a prêté allégeance ou non? J'en sais rien, mec, j'étais pas avec elle, tu vois ce que je veux te dire? Donc, déjà, de un, on est mal barré. C'est-à-dire que, déjà, même au niveau de l'accusation, très difficile. Très difficile. En revanche, ce que nous, on dit, c'est qu'il y a des gens qui, bizarrement, défendent des Qaradawis, défendent des Saïd Rout. De par leur discours, on reconnaît, hein, la patte de Hassan El-Banna, la patte de Saïd Rout, la patte de je ne sais pas qui. Hein? Et donc, du coup, ça nous. Nous, on dit, en tout cas, ils sont comme de Florence qu'elle appelle l'ambiance frériste. À partir de là, nous, on dit que cette ambiance-là, ce logiciel-là, mais comment il fonctionne? Et qu'est-ce qui fait que tu adhères ou non, en fait? C'est ça, nous, qui nous intéresse. Et surtout, qu'est-ce que ces gens-là, ils portent comme projet? Et où est-ce qu'ils en sont? Et qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont leurs méthodologies d'action? Donc nous, c'est comme ça qu'on opère. Et donc du coup, par rapport à Mohamed Luizi, pourquoi c'est fort peu probable en fait que ça soit un faux frère ex-musulman, tout simplement parce que il détaille la méthodologie en fait. C'est pas possible qu'un gars il prête un serment d'allégeance, parce que c'est comme ce que Ali Baba il a dit tout à l'heure. Il y a des gens, voilà, ils avaient comme espérance le paradis. Ils ont abandonné cette espérance pour une vie de vivre ensemble ou de vie par rapport à la loi des hommes, tout ce que vous voulez. Mais là, le fait que Mohamed Luizi, il vienne, il détaille, il traduise des ouvrages, il énonce voilà, le processus du serment d'allégeance, ah, je suis désolé, je sais pas. Alors, si c'est un faux frère ex-musulman qui joue l'attaqué à tout ce que vous voulez, en tout cas, dévoiler le plan. Et ce qui permet aux non-musulmans de savoir où est-ce que les mecs ils en sont et tout, dans tous les cas, du point de vue de l'orthodoxie, et ça fonctionne pas en fait. Ça fonctionne pas. Et comme de toute façon, les FM, ce sont des orthodoxes, franchement, c'est fort, fort peu probable que ça soit un faux frère musulman, un faux ex-frère musulman, du moins. Pardon. Donc voilà, c'était Merci juste beaucoup. mon point de vue sur Mohamed Luiz. Bah, écoute, très intéressant comme d'habitude. Merci beaucoup pour avoir été là, tout le monde. Merci Ruyen, merci Rassoul, merci les spectateurs, spectatrices. Merci à vous On tous. se dit à bientôt et pour remater live pour ceux qui l'auraient pas vu. Et gros soutien, et je réitère mon soutien à Florence, Père Choplin-Clair, et je la remercie encore une fois d'avoir accepté d'intervenir sur notre chaîne. À bientôt.
Ciao, ciao.